Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau 100% comestible en compagnie de Chips et de Glopo. Comment ça va, messieurs, en commençant par Glopo? Bah écoute, ça va très bien, même si je suis dans les ténèbres. Et vous? Ça va, j'avoue, ton fond noir, sympa, Glopo, tu nous avais habitué à des trucs un peu plus joyeux, un deuil. Non, en vérité, ça fait trop longtemps que je suis célibataire et il paraît que les filles aiment bien les mecs ténébreux, donc j'essaie de devenir un peu plus dark. Ça mange de mystère et une capuche, Glopo. Voilà. Ouais. Ok. Il faut alors un petit carnet devant toi et tu le lis à voix basse. En japonais. Ça fait mystérieux, les filles aiment bien. Il donne des super bons conseils sur JVC, tu devrais aller faire un tour. Oui, clairement, ouais. Alors, le programme de ce soir. Alors, ce soir, c'est un programme très très light, parce que c'est un peu la période de famine en termes d'actualité sur League of Legends, donc on va prendre le temps pour à peu près tout. Et alors, pour commencer, on fera un petit tour du calendrier e-sport. On accueillera Amso Fresh qui nous parlera un petit peu des Worlds TFT qui ont été annoncés. On fera un gros tour du Mercato, des news. Si jamais on est trop en avance, on fera un petit Ask Me Anything. Et à 20h30, eh bien, on retrouvera Duke. Duke qui viendra nous parler un petit peu du projet Vitality. Où est-ce que ça en est, puisqu'il y a eu pas mal d'annonces de roster récemment. Alors, absolument. Commençons par le calendrier e-sport. Première date qui a été annoncée très récemment, c'est le EU Face Off. Qu'est-ce que c'est que le EU Face Off? Alors, je n'hésite pas à mettre un petit peu ce qui a été dit dessus. C'est un tournoi européen qui va s'inscrire dans ce qui a été appelé un streamathon. Voilà, un marathon de stream qui va faire 50 heures. C'est pas streamathon? C'est pas streamathon. C'est streamathon. Je crois que c'est streamathon, ouais, il me semble. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est bizarre, ouais. Streamathon. Ouais, qui fait penser au Téléthon et l'objectif, c'est de récupérer une cagnotte pour acheter des neurones à carnage. Ah, streamathon. Ouais, oh là là, quelle belle cause, mais j'ai peur que ça suffise pas, malheureusement, et qu'il faudrait y coupler le Z-Event. Bah ouais, du coup le streamathon, alors c'est assez global, ça se fait sur plusieurs régions de League of Legends, et faisant partie du streamathon, tu as l'événement LPL XLCK, tu as ce EU Face Off, t'as un événement en NA, je sais plus ce qu'ils font exactement, je crois qu'ils font des trucs avec leurs joueurs d'académie, bref voilà, bon c'est assez cool, c'est pour récolter des fonds. Pour lutter contre le coronavirus. Donc c'est plutôt d'actualité, messieurs, et ça va durer 3 jours tout ça. C'est ça, et dedans il y a un peu de tout, puisque c'est aussi là-dedans que s'inscrit le grand tournoi LCK contre LPL. Il va y avoir des choses du côté de l'Europe, tout n'a pas encore été communiqué, on a commencé à vous teaser un petit peu, mais on vous réserve voilà, quelques belles surprises. Il y a pas mal de régions du monde qui vont passer, parce que je sais qu'il y a aussi des show matchs au Vietnam, etc. Donc voilà, il va y avoir 50 heures de stream pour remplacer le MSI, pour cette bonne cause, et principalement pour qu'on puisse se foutre sur la gueule entre Européens par nation. C'est quand même le plus important. Ça va être incroyable. Il faut donner les détails de la compétition, non? Je sais pas ce que j'ai le droit de dire, en vrai. Ah ouais? Tu peux. Ah non, mais attends, mais c'est 100% cause de l'Omerta, en fait. Non, mais en fait, désolé, en fait ça m'arrive tout le temps. Déjà, dans les trucs qui se savent, et qui sont publics, il y a le fait du coup que c'est une compétition qui est censée mettre à l'honneur les broadcasts européens, donc la France, le broadcast interclassique LEC, la Pologne, la LVP, l'Allemagne, l'Italie, et il me semble que j'ai tout, messieurs. Et du coup, enfin, ce qui est sympa dans l'histoire, c'est les compositions d'équipe. On peut révéler les règles de composition d'équipe. Ouais. Mais du coup, pour le reste, il faudra attendre de voir les annonces. Mais du coup, pour les règles de composition d'équipe, alors ce qu'on nous imposait, c'était 3 joueurs soit qui sont commentateurs, soit qui font partie du staff de la diffusion, 1 joueur pro ou ex-joueur pro et 1 influenceur. Voilà, on a dû faire nos choix en fonction de ces critères. Et du coup, vous aurez bientôt l'annonce de l'équipe au gaming qui est là pour représenter la France. C'est ça. C'était drôle, c'est dans le call. Donc Riot a fait un call
avec tous les broadcasts partenaires pendant qu'on annonce que Hamso nous rejoindra d'ici 5 petites minutes. Mais quand il y avait le call avec tous les... Ouais, ça a taunté instantanément. C'était c'était très très drôle. Il y avait des petites vannes qui se balançaient parce que forcément on se révélait un peu, mais du coup nous aussi on prend ce joueur, c'est bon, ça compte. Il y avait des gens, il y avait des broadcasts qui disaient bah nous on voudrait tel membre du staff, tel membre du staff. Et on voyait que ça commençait à placer des challengers un peu partout, à faire un peu essayer de contourner un peu les trucs, et ça balançait des taunes dans tous les sens, sachant que il y a aussi l'équipe Riot, hein. C'est Riot dépêche elle-même une équipe dans le broadcast, donc il y a l'équipe entre ça va être l'équipe la plus entre free, tous les autres. Si Riot s'en prenait son jeu, ça se saurait, messieurs. C'est vraiment ça, il n'y aura pas de problème. Hein. Information inside, le broadcast inter a tenté, il tente en tout cas, de prendre des joueurs type Caps, Reckless, ce genre de trucs, tu vois. Donc, les mecs sans foi ni loi qui vont taper dans les tout meilleurs joueurs du LEC. Donc, mais on a des éléments de réponse. C'est la cible à abattre. Si tu me laisses Macassio, je suis confiant contre Caps, c'est pas de problème, les gars. Bordel. On va arriver à la composition d'équipe. Ouais. Mais le moment où on va se retrouver, où il y a des casters qui vont se retrouver face à des monstres du LEC, il y a moyen qu'on se tape des belles barres de rire, quoi. Donc voilà, ça, ce sera le week-end prochain, ce sera tout le week-end prochain, ça va s'étaler sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, on commence en vendredi soir, tard, plus d'infos arrivent. Voilà, c'est pour la belle compète. En vrai, ça va être des barres, vous avez prévu plein de trucs, il y a des sessions d'entraînement qui sont prévues aussi la semaine prochaine en scrim, pour vous ayez le temps déjà que l'équipe ait le temps de se former. Bref, donc tout du contenu qui arrive et on vous tient très très vite au courant. Et... donc dedans, vas-y Chips. Non mais vas-y, tu voulais finir sur l'Europe parce que moi je voulais juste vite fait donner les groupes du mid-season LCK XLPL. Ah bah, parce que super transition, j'y allais. OK, d'accord. T'es trop fort. Non mais t'es trop fort. Ça fait quelques années que vous bossez ensemble tous les deux, non? On se croise de temps en temps. Putain. Mais du coup, à toi l'honneur. Du coup les groupes d'événements LPL XLCK. Alors la chance de l'Asie, c'est d'avoir une certaine proximité géographique et donc avoir la possibilité de faire ce genre d'événement sans avoir à être au même endroit. Du coup, il y a 2 groupes qui ont été annoncés. On aura les 4 meilleures équipes de LPL et les 4 meilleures équipes de LCK. Et du coup, je sais pas si on a un visuel, mais groupe A. Dans le groupe A, on est censé avoir T1, Top Esports, Fun Plus Phoenix et Damwon Gaming. Et dans le groupe B, JDG, Genji, Dragonix et Invictus Gaming. Sachant que les équipes de la même région se jouent également. Donc c'est pas le même principe que le Rift Rivals où c'est une région qui s'impose. Là, c'est vraiment chaque équipe va essayer de remporter la compétition et de la prendre à son compte. Voilà, donc c'est assez sympa. Ça va être, pour le coup, c'est vraiment un MSI asiatique. Complètement. Et hâte de voir ce que ça va donner. Hein. On attend naturellement les équipes chinoises très très fortes. Chips, quelles sont les chances de T1 selon toi? 0. Bah moi je pense qu'elles sont pas mauvaises. Maintenant bon, bah nous on va dire 0. Mais moi je pense qu'elles sont pas mauvaises et récemment les équipes ont eu pas mal de succès contre les équipes chinoises, notamment l'année dernière. Du coup, même si la LCK fait pas des très gros résultats à l'Inter depuis 2 ans et qu'ils n'ont pas fait de finale, moi je pense honnêtement que faut se méfier des meilleures équipes coréennes. Elles ont montré l'année dernière qu'elles étaient capables de battre les meilleures équipes chinoises. Et puis bon, ce truc. Après, je pense que les 8 équipes vont y aller avec les crocs. Tout le monde va essayer de vraiment dominer le sujet parce que c'est du sérieux quand même la compétition là-bas. Et vu le format, t'as forcément envie d'être un peu couronné meilleure équipe d'Asie. Voilà. Alors les matchs de calendrier d'ailleurs. Oui. Qui est juste en dessous. Voilà, Fun Plus T1. Fun Plus Damwon, chaque match me fait trop kiffer. Hein. Chaque match, chaque BO5 est absolument incroyable. Allez, les affiches sont magnifiques. Le premier match, T1, déjà, c'est faites jouer Khan, qu'on le fesse du côté des T1. Faites jouer Khan. Ce serait beau. Ce serait beau de le voir se faire fesser. Hein. Donc ça va arriver le matin, comme vous pouvez le voir sur les dates, du 28 au 31. Oui, vas-y. Petite précision, parce qu'en fait, j'ai vu sur le chat des gens en parler, c'est vrai que j'avais zappé d'en parler. C'est le même pic. Mais du coup, phase de groupe, c'est des BO1,
Et après, tu passes en BO5. Et dans les BO5, messieurs, on retrouve une bonne vieille règle qui avait, qui nous faisait plaisir à l'époque. C'était la première game du BO se fait en blind pick. Donc chaque tout équipe, Z, bah, WTF. Ouais, ouais. Est-ce qu'effectivement, le blind pick qui a donné lieu à l'action la plus emblématique et la plus mythique de League of Legends, le Z contre Z, Ryu contre Faker. Voilà. Donc moi, ça, ce sera la première game. Là où Faker a établi sa suprématie qui depuis n'a jamais été remise en question. C'est cela, mon avis. D'ailleurs, il y a info inutile, mais il y a un sculpteur qui s'est amusé à recréer en stop motion avec des figurines et tout un décor qu'il a repeint le move de Faker contre Ryu. Ah ouais, t'as la vidéo. Ouais, non. Elle était sur Reddit, je crois pas l'avoir sauvegardée. Je suis vraiment désolé, je pensais pas qu'on allez, reparlerait comme ça de ce move, c'était random action. Mais ce qui me fait marrer, c'est tout ce qui a pu se dégager, t'imagines, t'es Ryu, et genre 8 ans après ton move, t'as des mecs qui sculptent le fait que tu te sois fait éclater la tronche contre le sol. C'est sûr, après t'as jamais dans la légende, ça va te poursuivre. Ouais, ouais, oui, c'est vrai, mais c'est là que je crois que c'est dur d'être joueur pro quand même, parce que la moindre situation, tu vois, genre qui overall est un peu genre aléatoire, un peu whatever, genre c'est si ça se trouve, ça va être gravé dans le marbre et ça va te suivre toute ta carrière. Genre, je pense par exemple aussi au trèche de Yellow Star qui est devenu emblématique et pourtant il l'a rejoué, il a été plus que correct dessus. Mais quand tu dis trèche et Yellow Star, il y a une seule chose qui apparaît, une seule image mentale qui apparaît, c'est quand il met tout dans le vide. La malédiction. La Nikki Wicked, le Horn de Perks, il y a toujours ce genre de choses, effectivement. Allez, il y a Amso Fresh qui est en train de poireauter depuis tout à l'heure et qui est venu nous éclairer de ses lumières sur les Worlds de TFT qui ont été annoncés. On va le recevoir tout de suite, quand tu veux, du côté de la régie. Coucou Amso, comment ça va? Comment ça va, Amso? Bah écoutez, ça va super. Je sais pas si niveau son, etc., c'est good. Impeccable. Ouais, ça va. T'as un son sinon, cristallin. Avant toute chose, Amso, moi j'ai une question. Je voulais savoir, est-ce que t'avais pas chopé de trucs bizarres? Est-ce que t'as pas été contaminé, attaqué par des insectes? Parce que apparemment, ton jardin et toi, vous avez mené un combat extrêmement ardu. Je voulais savoir s'il y avait pas trop de séquelles. Comment tu te sens? C'était un peu sur le moment, quoi. Mais maintenant, c'est ok. Mais ouais, je t'avoue que il y avait full insectes, etc. En plus, maintenant, sur le jour même, vu que j'ai un peu développé une allergie au pollen, c'était vraiment catastrophique. Mais non, c'est good. Mais il faut que je m'en occupe. Ça, entre deux courses, un jour férié, on est bien. Non, mais tu sais que no joke. Ouais, non, mais tu sais que no joke, les gens maintenant, ils viennent me dire sur Twitter, en DM et en tweet, va pas faire tes courses, c'est férié. Genre. J'en ai quelques-uns aussi. Quelques dizaines de messages. C'est horrible. C'est la pire sensation quand tu meurs de faim, que t'as plus rien à manger, genre que courageusement tu sors de chez toi pendant le confinement pour aller te fracasser la tête contre la porte d'entrée du magasin qui est fermé. C'est la pire sensation. Ouais, file pas, surtout quand t'es pas sorti chez toi pendant 3 semaines parce que t'es un streamer et t'arrives devant le magasin avec ton petit sac. Tu te dis, je suis pas sorti depuis un moment, t'arrives et tu fais ah, demi-tour. En plus, tu te sens trop con parce que t'arrives devant le magasin, c'est fermé, tu fais semblant que t'étais pas du tout là pour ça. Ah non, merde, je me suis souvenu que j'avais un truc, il faut que je fasse demi-tour. Pas du tout. Ouais, t'arrives devant la porte, au moment où tu réalises, tu sors ton portable, tu regardes ton portable d'un air vraiment, vraiment préoccupé, ouais, tu vois, genre, bah attends et tout. Mais tu sais que je suis. Les deux dernières fois que j'ai voulu faire mes courses, les deux fois c'était férié, c'est assez incroyable, extraordinaire. On pensait pas pouvoir faire plus stupide que ça, mais si, je suis là, voilà. Alors du coup, Amso, dis-nous tout. Riot a annoncé la volonté de faire des Worlds Galaxy de TFT. J'ai pu voir un peu de choses en parler tout à l'heure. On va regarder un peu comment ça va s'articuler, le format. Et après, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je t'ai vu un peu réagir, notamment sur une compétition de TFT. Bon, alors déjà, comment ça marche, ces Worlds? Alors, déjà, la news était tombée en NA d'abord. Les premières qualifications vont se faire via le ladder. Donc, c'est déjà un truc assez spécial. Ça rappelle un petit peu les ranked teams d'avant, tu sais, pour les qualifications au LCS, etc. Ça va se faire via le ladder. Et donc, c'est les 40 premiers du ladder qui vont être qualifiés pour l'Europe. Enfin, il y a 64 spots pour l'Europe. Donc, il y en a 40 pour EU-West. Je crois que c'est 16 pour Nord-Est. Europe du Nord, enfin Europe Nord-Est, et 8 pour Russie.
8 pour réussir, voilà, c'est ça. Alors, ça va se passer sur plusieurs semaines. Ce sera pas les 40 premiers du ladder à un moment précis. C'est que chaque semaine, en fonction de ta position dans le ladder, tu vas accumuler des points. Donc, pour le top 10, trop smart, la régie. Beaucoup de points, etc., etc. Et donc, c'est via le ladder. Donc, il faut être dans les 40 premiers en Europe. Ce que j'ai vu, c'est que vous allez... Parce que il y a aussi les smurfs qui sont pas pris, c'est-à-dire que ça peut être seulement une personne, etc. Mais du coup, il y a des gens qui vont utiliser des smurfs pour bloquer le ladder ou pour faire chier les gens pour les 40 places. Enfin, vous allez, il va y avoir un soft reset. Vous allez tous farm comme des gros sacs à merde pendant les 3 prochaines semaines. Ah bah oui, mais bon, bah ça change pas grand-chose à ce que je fais déjà, tu vois. Mais oui, ça va farmer dur pour être dans le top du ladder parce que maintenant il y a un réel intérêt à l'être. Et voilà, donc tu vas accumuler des points chaque semaine, ça va prendre en compte ton classement. Et à la fin, je crois que ça finit, je sais pas combien de semaines c'est, mais je crois que c'est en août que les 64 sont comptabilisés. Et donc tu vas essayer d'accumuler un maximum de points en fonction de ta position où j'adore. Donc il faut, je crois que c'est le moins de points, il faut être au moins 300 dans le top 300 pour avoir des points. Et donc voilà, les 40 joueurs européens vont être Europe West, seront qualifiés, les 16 premiers EU Nord-Est vont être qualifiés, et puis les 8 premiers en Russie. Et donc après ce sera des rondes suisses, il y aura je crois que 5 games. Tu peux tomber sur des gens, tu peux tomber sur n'importe qui parmi ces 64 joueurs, c'est ça qui est extraordinaire en fait. Et je crois que c'est les 3 premiers parmi ces 64 qui vont être qualifiés pour jouer les grands Worlds avec les autres régions. Ça se jouera sur Internet, les Worlds ou pas? Pardon. Ah, j'en ai aucune idée. On sait pas encore. C'est la question, ouais, parce que quand même, il pourrait y avoir des problèmes de lag. Ah oui, non. Les enculés. Attends, on parle de World. Alors, ok, on est sur TFT, c'est pas League of Legends, là, on n'aura pas des danseurs et tout, mais quand même, tu vois, je pense qu'il y aura quand même des offline. Ouais, on va un truc ça. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, ce serait beaucoup mieux. Et Fresh, moi, j'ai une petite question quand même. T'as pas été champion du monde sur League of Legends, mais est-ce que ça va être le moment de te rattraper? Je veux dire, est-ce que tu sens que tu peux être champion du monde? Non. C'est combien là en ce moment sur le ladder? Comment ça, toi, non? On m'a dit que t'avais plusieurs comptes et plusieurs comptes. T'es censé être un ouf. El Craquito. Je vais tenter ma chance comme tout le monde, tu vois. Des 200 000 balles, 200 000 patates. Est-ce que tu serais en train de s'entendre qu'il y aurait un peu de RNG qui viendrait peut-être foutre la merde? Mais justement, en fait, si on veut apporter le topic, c'est le truc qui te met un peu la clim. C'est que actuellement, je sais pas si tu as un petit peu suivi sur le 7-3, t'as un truc qui s'appelle les galaxies. Oui. Ça vous dit quelque chose, les galaxies ou pas? En vrai, moi j'aimerais beaucoup que tu nous expliques rapidement ce que c'est, parce qu'il faut savoir que chaque fois que je suis sur Twitter et que je vois passer un post qui est relatif à toi, t'es toujours en train d'ouvrir le feu sur Riot Mordog, et vous avez des échanges ultra salés. Et j'ai vu que le plus récent c'était à propos des galaxies. Du coup, je t'avouerais que Hamso, si tu pouvais rapidement nous expliquer ce qu'il en est, on t'écoute. Ok, alors les galaxies. Moi, je suis tout TFT à travers tes tweets, Hamso. Alors, c'est ça. Les galaxies, c'est un concept super fun qui fait que chaque game, tu peux tomber dans une galaxie. Et en gros, ça change complètement le setup de la game. C'est-à-dire que il y a une galaxie sur laquelle, par exemple, tout le monde commence avec un 4 cost sur le premier carrousel. Il y a une galaxie dans laquelle tout le monde a un rôle gratuit à chaque début de partie. Il y a une galaxie dans laquelle tout le monde va avoir les deux mêmes random items au début de la partie. Il y a une galaxie dans laquelle, enfin, tu vois le concept. C'est en gros, game qui va avoir un thème et ça va changer tout le setup de la partie. Et certaines galaxies sont ok, il y en a d'autres qui sont un peu moins ok. C'est-à-dire qu'il y a des galaxies sur lesquelles t'as rien demandé à personne. Le jeu va te dire, tiens, tu vas te démerder avec ça. Et ça peut bien se passer comme très mal se passer, indépendamment de ta volonté et de comment tu joues. Et donc, c'est très fun sur le long terme, c'est-à-dire que sur un grand nombre de games, la RNG va être un peu lissée. Par contre, tu peux très bien arriver dans un tournoi où t'as les 64 meilleurs joueurs européens qui vont essayer de se battre 3 spots et dans lesquels Riot Games va te dire, tiens, tu vas jouer une game avec ce champion-là et tu vas te retrouver un petit peu dans la mouise, tu vois. Et les galaxies, c'est un truc très rafraîchissant dans le sens où t'as beaucoup de parties qui vont se retrouver très différentes et tu peux avoir des situations assez inédites et tout. Mais en termes de compétitif, je pense que c'est un truc qui colle pas super bien.
Et c'est toute la question de TFT, dans le sens où c'est un jeu qui se veut très open public. Comment ? Riot n'a jamais voulu faire de ce jeu un jeu compétitif. En fait, ils avaient toujours dit c'était un petit mode. Ils avaient classé les. En fait, Riot classe les jeux e-sport non e-sport. Par exemple, les Valorant sont du côté e-sport et Runeterra et TFT sont du côté non e-sport. Ça ne veut pas dire que l'e-sport est impossible dessus, mais ça veut dire que Riot, en lançant ce jeu, ne pense pas particulièrement développer un circuit compétitif, sauf si le circuit existe un peu malgré lui. Ce qui est un peu le cas finalement, parce que TFT, il y a des compétitions, il y en a absolument partout, tout le temps. Des streamers, il y en a des masses, des audiences, ça en fait plein. Il y a un gros engouement, donc il transforme ça en circuit compétitif. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose clairement parce que ça apporte un peu de hype, ça apporte un petit peu de compétition entre les joueurs, ça donne une raison de regarder, ça donne envie de suivre un petit peu et tout. Mais ça va faire un petit peu, c'est un peu dans la catégorie le nouveau terme e-sportainment en fait, dans le sens où certes c'est du tournoi, certes ça fait e-sport, mais le jeu en lui-même n'est pas à vocation super compétitive dans le sens où ils prennent beaucoup de directions un petit peu plus casu. Je pense plus à, par exemple, récemment, en fait, ils ont baissé, ils ont énormément augmenté les chances de trouver des one cost au niveau 4-5, ce qui fait que ça fait en sorte que on a une montée en puissance des compos press D, donc les hyper rolls, où tu arrives à un certain stade de la game, tu appuies sur D jusque 0 pour acheter tous les one cost. Mais ça, c'est des compos qui sont faciles à jouer, très accessibles, et qui sont pas à mes yeux très compétitives. Enfin, ils prennent plein de décisions comme les galaxies, les compos press D, les carousels un petit peu random et tout. Ça apporte du fun, ça apporte de la diversité, mais pour moi c'est pas une direction compétitive. Et à côté, ils investissent dans la compétition, tu vois. Donc il y a un peu cette contradiction entre notre jeu, on essaye de le rendre accessible à tous, on essaye de faire un jeu fun et qui plairait à tout le monde, mais d'un autre côté on essaye aussi de booster la compétition. Et nous on est un petit peu entre deux, en mode bon, on comprend que ça veut plaire à tout le monde, mais à côté tu nous mets des tournois et un peu, j'ai un peu des sentiments partagés par rapport à tout ça et je sais pas trop comment me positionner. Ça me rappelle un autre débat. C'est un peu la problématique, quoi. Ouais, est-ce que c'est pas l'histoire de ta vie sur les jeux vidéo ? Comment ? Pardon ? Est-ce que c'est pas l'histoire de ta vie sur les jeux vidéo ? Bah ouais, un petit peu. tu vois, mais c'est ça qui est compliqué, tu vois. Après moi j'aime bien faire les tournois. Par exemple, on a Shones qui organise les Ken & Cup, qui regroupe à chaque fois les meilleurs joueurs français, et on se la donne entre nous, tu vois, on prend 16 joueurs, et les tournois en général ils sont très hypés, ils donnent des résultats très marrants, tu vois, c'est chouette, hein, les tournois sont fun à jouer. Après pour moi ils sont pas ultra significatifs, parce que le nombre de games est c'est un nombre de games très réduit, et donc c'est dur de se dire tiens, tout va se jouer sur 5 games, parce que tu peux avoir la poisse pendant tes deux premières et ça va changer toute la dynamique du tournoi. Mmh. Mais ça reste quelque chose d'assez intéressant et fun à regarder. Je pense que pour quelqu'un, ça doit être super fun de regarder des tournois, mais ils sont pas toujours fun à jouer. Ouais. Mais après, si tu fais beaucoup de tournois, finalement la RNG en un sens se lisse aussi sur le long terme, quoi. Tu vas pas taper un tournoi full bad beat tout le temps. C'est ça. Il y a bien un moment où ça va te sourire. On parlait un peu au poker où si tu fais beaucoup de tournois et que si t'es régu, ça se passe bien. Mais là, du coup, tu vois, on parle de World, on parle de 3 spots pour l'Europe entière. Ça va être chaud. Tu vois, je veux dire, moi, je vais tenter ma chance, comme tout le monde, et je vais faire de mon mieux. Mais je t'avoue que mes attentes ne se situent pas exactement là où d'autres pourraient dire vas-y, tu fonces, World Champion et tout. Moi, je leur dis, chaud, mec, hein, les galaxies, les random carou, les compos fraisés et tout, doucement, hein, on va essayer, mais... Moi, je te visualise déjà sur, sur scène à Las Vegas. Ah ouais, ah oui, d'accord. Les projecteurs, les paillettes, les confettis, etc. C'est sûr. Exactement. On va tout donner. Hein. Tu pourras stream ton POV, je suppose. Bah écoute... Alors, jusqu'à un certain moment, c'est possible. Je crois qu'à partir des phases finales, c'est Riot qui s'occupe de la diffusion. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Dans la publication, il disait que on pourrait suivre la compète sur les POV des joueurs. Ok, ouais. Un petit peu au format Twitch Rivals, quoi. Ouais, je pense. Ouais, certainement. Bah, parce que c'est un petit peu ce qu'on a eu de plus gros en termes de tournoi TFT. Pour l'instant, c'est Twitch Rivals. Il me semble que j'avais fait les premiers. C'était une super bonne expérience.
La deuxième, j'y avais pas participé. Je crois que Sean y avait participé. Ils avaient fait pour le lancement. Est-ce que le meilleur tournoi de TFT auquel t'es joué, c'est pas le Winter Clash finalement, Imso? Il a oublié de répondre. Bon, bah, je pense que c'est une expérience intéressante. Est-ce que t'étais content de se faire PL par voilà, Cardo? Ouais, genre, sur un tournoi TFT, t'as beau être classé, je sais pas combien dans le top Europe, tu peux arriver et te faire saucer par un diamant 1 qui choisit de jouer une game. Tu vois, c'est un petit peu la la question la du compétitif sur TFT. Toute la beauté. Toute la beauté du jeu. C'est ça. Toute l'ambivalence. Tu pars de rien non, et tu peux arriver après, au sommet. Après, c'est une discussion que j'avais déjà essayé d'avoir. C'est que quand t'es un développeur de jeux vidéo en 2020, tu peux vouloir que ton jeu soit compétitif, mais tu veux aussi qu'il soit accessible pour tout le monde parce que logiquement, tu veux qu'il plaise à un maximum de personnes, tu vois. Et c'est toute la problématique d'un dev, c'est de faire en sorte que tout le monde soit content. Et c'est un gros challenge, je pense. Et c'est pas que pour TFT, je pense que même pour League of Legends, je pense que c'est important qu'on ait toujours des champions comme Yumi, comme Garen et compagnie, parce que il y a des gens qui doivent pouvoir bien jouer ces champions, et à côté tu nous mets des trucs comme Akali et compagnie, des trucs un petit peu plus difficiles à jouer, il en faut pour tout le monde. Et donc ouais. c'est toujours la discussion casu vs pro qu'on retrouve, et il faut que tout le monde puisse être content dans un jeu vidéo, quoi. Donc on l'accepte. Ok. Bah, merci beaucoup Emso pour ce point Worst TFT. On verra comment on va suivre ça et on tiendra tout le monde au courant. Bah, merci beaucoup. Enfin, toi tu repars en stream là? Je suis en stream. Oui mais tu repars sur ton stream. Ah ok. Oui. Bien, on va faire du ladder. Là j'ai dû FF une game. Mais avant d'FF, j'ai pris mon top 4. Donc, aucun LP n'a été perdu. Mais ouais, on va retourner en ladder, hein, comme tous les jours. Hein. Allez, va te préparer à grinder pendant un mois et demi du ladder avec tes 25 Smurfs. Ah, bah écoute, on n'a que ça à faire. Hein. Merci beaucoup, Emso. On te souhaite une très très bonne soirée. Et pour ceux qui veulent, Emso stream du TFT sur sa chaîne. C'est chill, c'est sympa. Et en plus, il est fort. Ouais. Attention au prochain jour férié, hein, Karim. T'inquiète, j'ai un calendrier maintenant, y a pas de problème. C'est bon. Et ben du coup en régie, on va chasser Imso, voilà, c'est super, et on va pouvoir boucler ce calendrier e-sport en vous disant qu'il y a aussi Underdogs qui continue la semaine prochaine, et ça commencera, si je ne me trompe pas, Underdogs, c'est mardi, mercredi. Avec ouais. La suite des groupes stage. On vous rappelle que tout de même dans les performances, on a l'AKCorp qui a battu Misfit première. Et ça vaut le détour. Oh, ça continue, hein. On a toujours de très très belles choses, hein. Très clairement. Il y a aussi les Warthog, hein, qui ont été très solides. Équipe Open Tour, qui vient tenir tête à des équipes de Div 2, qui vient mettre un petit peu de rythme. Donc, les Underdogs, voilà, à chaque fois, franchement, quand t'es une équipe de LFL, quand tu joues c'est la pire compétition de venir en underdog parce que tu as littéralement rien à gagner. Bon, s'il y a un peu d'argent, j'exagère, il y a un peu d'argent. Mais par contre, t'as tout à perdre. T'as vraiment juste des humiliations à subir. Du coup, c'est autant de raisons de venir sur cette compétition qui va continuer dès la semaine prochaine. Eh ouais, mais bon, le format Coupe de France, ça marche bien en foot, hein, et c'est quelque chose qui plaît. Donc, c'est un peu l'idée pour le coup. Mais c'est un peu, alors, bien sûr, on a tout autre niveau, toute autre mesure, et on n'est pas dans un truc où tu joues contre des petites équipes, mais c'est dans un esprit de « j'ai des compétitions que je veux pas faire », c'est généralement tous les joueurs pro, et notamment tous les joueurs G2. Soaz, à l'époque, nous expliquait, par exemple, le MSI, t'as pas envie d'y foutre les pieds, tout simplement pas, parce que ben, tu perfs bien ou tu perfs honorablement, bon, c'est cool effectivement, mais c'est très dur à faire parce qu'il y a quand même la meilleure équipe de chaque région. Et si tu perfes pas, non seulement tu reviens t'es claqué, en plus tu t'es fait très largement chier dessus par la totalité de ton audience. Hein. Ouais. Voilà, on se souvient un petit peu de G2 Vacations. Ouais, enfin G2 Vacations, ils avaient pris un tarif à l'époque. Ça leur a fait mal, mais tu vois, l'année dernière par exemple, c'était... Enfin, des objectifs de Perk, c'était d'aller au MSI et de le remporter, ouais. Tu vois, dès le début de l'année. Mais après, voilà. Enfin, bon, cette équipe G2, elle a le droit d'avoir d'énormes ambitions. Mais quoi. C'est notre époque.
L'époque où Soaz avait dit ça, c'est l'époque où les Coréens nous mettaient des 3-0 dès qu'on arrivait en BO5, quoi. Donc c'est C'est sûr que sûr. c'était un peu plus dur, quoi. Et tu te retrouvais avec Corée-Corée ou Chine-Corée sans pouvoir faire grand-chose. Voilà pour le calendrier e-sport. C'est succinct, il y a aussi la grosse ligue, mais bon, au bout d'un moment, on rabâche. Je pense que vous avez toute l'info qu'il vous faut pour suivre la compétition. Donc voilà, vraiment les dates importantes la semaine prochaine, c'est vraiment les 3 jours de streamathon avec donc le tournoi européen, l'Eurocup, et le tournoi LCK contre LPL. Messieurs, on va pouvoir passer au mercato. Il s'est pas passé grand-chose côté LCS et bon côté LPL non plus. Mais par contre, en LEC, déjà, on a un début d'annonce, notamment du côté de Vitality Chips. Ouais, complètement. On a l'annonce de l'équipe A et de l'équipe de LFL également. Donc il y a eu des permutations de joueurs. Du côté de l'équipe LEC, on aura donc toujours Cabochard sur la top lane. On aura NG dans la jungle qui était le jungler de l'équipe Vitality B, donc qui joue en LFL au split précédent. On aura Mid sur la mid lane, Comp en ADC qui reste en place. Le fameux Mid aussi, bon, on n'en a pas vu la couleur au Spring, mais on espère que cette fois-ci il sera présent. Et Jack Troll et Labrov, surtout Labrov qui devrait avoir le rôle de titulaire, qui est un jeune talent, joueur grec, et un des supports très en vue en Europe. Donc voilà, pour le roster LEC, quelques changements, et du coup qui impactent le roster LFL, Glopo. Ouais, absolument. Bon, après, du coup, le roster LFL, il va être extrêmement solide, hein. On a une équipe Vitality B, en l'occurrence, qui va perfor en LFL, voilà, qui apparaît maintenant. Avec Yopa, pareil, qu'on va enfin pouvoir voir sur la top lane. Skins qui retourne dans la jungle. Skins qui était, avant son passage en LEC, lors de la saison précédente en LFL, qui était considéré, avec Joko, ça se bagarrait comme le meilleur jungler de la LFL. Donc là, qui va revenir en plus avec Sekhen sur la mid lane, le duo mid jungle qui faisait toujours la différence sur, ben voilà, qui allait chercher l'autplay, qui sont très mécaniques. Maintenant, je pense qu'après un petit passage en LEC, qui certes a été très douloureux, mais bon, je pense que ça reste une expérience enrichissante. Du coup, on peut s'attendre à ce qu'il soit extrêmement dominant. Le cœur au poste de carry AD, qui paraît un carry AD qui, je pense, plutôt très très fiable, et Steelback. Peut-être le meilleur support de la LFL saison, le fond de noix, qui était peut-être le meilleur Je change support de temps en LFL temps. de la saison dernière, qui a fait de brèves apparitions sur la scène du LEC ces derniers temps et qui était quand même plutôt convaincant. Donc là, pour moi, on a une équipe LFL qui vise le top 1 normalement et qui devrait être en mesure d'aller le chercher, messieurs. Ah, je suis bien d'accord, hein. Là, c'est une équipe où on veut gagner le titre, hein. Mais bon, déjà, on les voyait gagner le titre au Spring. Après, ils ont eu tous leurs problèmes de joueurs qu'on connaît, mais ça, il y avait le potentiel, et là, il est clair et net, ça joue la première place, je pense, pour Team Vitality. Et du coup, pour tout ça, on aura Duke qui viendra nous parler tout à l'heure. On prendra un peu vos questions sur le chat également, on lui en posera. Mais voilà, on discutera un peu plus de ces changements Vitality quand Duke sera là. Ouais, on va pas commencer à épiloguer sur le pourquoi du comment de, parce qu'on voit le chat, hein, y a les gens vous posent beaucoup de questions sur la duo lane, sur Jack Troll, etc. Tout simplement, on laissera le coach de l'équipe répondre aux questions, où il aura de bien meilleures réponses que nous. Donc on aura un gros passage, hein, vraiment sur cette équipe Vitality. Certains, je ne nommerai pas ces gens, mais certains disent que le roster LFL serait meilleur que le roster LEC, messieurs, vous en pensez quoi? Non, mais en vrai, il y a beaucoup de points d'interrogation. Militia, on sait pas trop ce qu'il va donner, Labrov non plus. NG, bon, on sait qu'il est bon, mais entre NG et Skins, rien n'est confirmé. Entre Comp et Lecoeur, pareil, c'est pas comme s'ils avaient tous une grosse, c'est pas comme si on avait une équipe de cadors qui avait fait une grosse saison en LEC par rapport aux autres joueurs. Donc en vrai, la question est légitime. Ouais, Moi, je ce suis qui me alors, oui. concerne, Vas-y, Glopo. Non, vas-y, vas-y. d'accord. Moi, ce qui me je concerne, parlerai après. je trouve, ben, déjà, ça me fait extrêmement mal au cœur de voir Skins qui redescend. Après, c'est vrai que ben, la situation de Vita était extrêmement compliquée. Donc, je suis pas un interne, je sais pas à quel point ça a été dur à gérer pour les joueurs, mais ce qui est certain, c'est qu'au vu des deux rosters, je pense que des scrims entre les deux équipes, tout au moins au début, vont être enrichissants et pour les deux équipes, ça c'est certain. Après, bon, ben
Engie qui arrive. Je sais qu'Engie il est suivi depuis très longtemps par Mephisto, qui doit avoir une grande confiance en lui. Et c'est facile entre guillemets de critiquer de notre côté, mais nous on n'a pas assisté au tryout. Il y a dû y avoir des consignes, voilà, que nous on n'a pas forcément. Et quand t'es dans un coaching staff et que tu dois sélectionner ton équipe, il y a énormément de curseurs et de facteurs que le public extérieur ne voit pas, ne perçoit pas, que ce soit simplement de l'entente entre les joueurs, de l'alchimie, de la confiance qui doit être faite, et on peut pas s'arrêter simplement au niveau mécanique d'un joueur pour décider que ce sera la meilleure option. Donc là, sur le papier, moi je trouve que l'équipe LFL, elle est extrêmement solide. Je suis pas pour le moment convaincu de l'équipe LEC. Mais voilà, j'attends de voir, parce que je suis loin d'avoir toutes les infos que Vita a. Voilà. Et ouais, ça, ce sera oui, à 20h30. Tu l'as dit, il y a eu des try-outs, donc sur les parties d'entraînement, bah, a priori, la meilleure équipe qui s'est dessinée pour Vitality, elle le sait, c'est celle qu'on connaît. Donc après, on verra. Les entraînements sont ce qu'ils sont, mais en même temps, si tu te bases pas là-dessus, quelle est ta référence pour monter ton équipe et pour faire tes choix après. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, cette équipe semble avoir été, enfin ces joueurs semblent avoir été convaincants en try-out et ont clairement répondu aux consignes, donc on verra pour la suite. On continue le côté mercato en LFL avec, alors pas une surprise puisque tout a été vu pendant les Underdogs, mais Solari qui procède à des changements, voilà, notamment avec l'arrivée de Fred et le départ de Wax Glopo. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et l'arrivée de Dreamsu également à la place, ouais, de Wax. Donc des départs de Qatar, voilà, aussi. Dreamsu qui jusqu'à présent jouait chez Oplon en Division 2 et qui était plutôt convaincant. Oplon, c'était une équipe qui avait la prétention d'aller chercher le top 1 sans aucun problème en Division 2. Alors bon, il y a eu un peu plus de niveau qu'est-ce qu'on était. Dreamsu qui saisit cette opportunité pour aller en LFL. Et j'ai presque envie de dire que j'accueille la nouvelle de la même façon que j'ai accueilli celle de l'arrivée à l'époque de Skins et de Tréton là-bas. Pour moi, c'est peut-être un petit peu tôt. Solari, alors bah, après Solari, ça a progressé quand même sur le split précédent, donc c'est vrai que la situation n'est pas la même. Ma première réaction quand j'ai su que Dreamsu allait s'y retrouver, c'est de me dire bon, c'est peut-être pas la meilleure offre qu'il pouvait avoir en LFL, mais voilà, encore une fois, Solari c'était beaucoup mieux sur le split précédent. On va voir si ces changements feront du bien. Ce qui est certain, c'est que je pense que Wax, ça va le soulager, parce que je crois que ça fait un moment qu'il avait pas qu'il jouait, mais peut-être limite à contre-cœur dans l'équipe. Que va devenir Wax? Est-ce qu'il va partir jouer en Division 2 et rejoindre ses confrères de Lunari, qui eux jouaient avec Exaki, qui pour le coup lui semble partir chez LDLC? Ça fait beaucoup de changements dans le mercato, mais du coup Wax pourrait se retrouver en Division 2, affaire à suivre. Et pour ce qui est de l'arrivée de Fred sur la top lane, ben je suis content de le revoir rejoint LFL, lui qui avait brillé par moments avec l'équipe AAA lors du c'était l'avant-dernier split, je crois. Tout à fait. Et à voir si on arrive à build la synergie dans cette équipe de Solari. Alors, amélioration ou on sait pas. D'ailleurs, hein, juste pour la Div 2, pour reprendre ce que tu disais, Qatar et Wax sont directement dans la team Eclipse, donc qui jouera en Division 2. Donc voilà, donc leur équipe Div 2 sera Qatar, Chap, Wax, Shark. D'accord. Ouais. Voilà. Donc c'était confirmé. Voilà. Donc okay. Ouais, ils sont directement directement à pied. Eclipse à Eclipse, il n'y a qu'un pas. Avec un retour de Julien Thierry. La référence est drôle, bien sûr. Comment tu as une tier list, messieurs? Possible. J'ai déjà proposé la tier list des tier list, et peut-être qu'on va s'y mettre avec Dash dessus, histoire d'arriver à un summum. Ah ouais, on est confiné, on a du temps. Alors on continue dans le mercato, alors avec MCES. MCES, alors certes, qui temporairement, parce que ça a été spécifié que c'était temporairement pour la durée des Underdogs, a amené Kikiz et Sadi dans son équipe. Par contre, quelque chose qui est moins temporaire et qui a été annoncé, c'est l'arrivée de Cubs dans le coaching staff, qui lui arrivera pour la totalité du Summer Split. Pour ceux qui voudraient se remettre un petit peu qui est Cubs, il est passé par Immortals, Giants, Static, Cloud9 et même les Copenhagen Wolves. Donc ouais, voilà, c'est un peu la vieille. Alors il a évolué sous les ordres de Zab, effectivement. Ouais, il a été coach de l'équipe Academy chez Immortals. Je sais qu'il avait prétention à devenir assistant coach, mais c'est Gotohan qui a été retenu.
Il est donc parti, je crois, plus ou moins en claquant la porte. Et ce que je sais, c'est qu'il est arrivé, en France en disant qu'il avait à lui seul plus d'expérience que tous les coachs réunis. Et il s'est fait outdraft, voilà, sur sa première game, assez méchamment. Donc, on attend de voir la suite maintenant. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant en plus avec le départ de Cove, c'est si je ne m'abuse dans son message d'au revoir à Immortals, il remercie du monde, mais pas Zab. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Ah bah moi je sais. Il y a eu des problèmes d'entente entre les deux et effectivement ils se sont pas quittés en bon terme. Dans son interview, il a quand même dit, je le répète parce que c'est important, il a dit qu'à lui tout seul, il avait plus d'expérience que tous les coachs LFL réunis. Et il a drafté. Cubs en général a beaucoup de confiance en lui-même. Ouais. Une avis dans la speak qui n'a rien pu faire de la game. Voilà, c'était ma petite sucrerie, c'est ma petite gourmandise de ces journées d'Underdogs. Je lui souhaite le meilleur, Lopo. Bien sûr. Parce que bon, ça me ferait chier que Joko, ce joueur que j'aime beaucoup, se refasse Marav une saison de plus. Ouais. Ça commencerait à faire beaucoup. Mais Joko et Kikis, c'est incroyable, dans la même équipe. Avec le coaching staff, c'est incroyable ce qui se passe chez MCES. Vraiment, c'est... Mais en fait, tu sais quoi, il y a un monde où ça devient une super bonne équipe. Mais c'est vrai que le premier rendez-vous, il est raté. Voilà. Ouais, j'y crois zéro. Hein. En vrai, alors après, Kiki se dit qu'il a beaucoup mûri, qu'il est prêt, qu'il a beaucoup grandi, etc. Mais j'attends de voir un petit peu déjà si on arrive à la fin de ces Underdogs vivants. On a fait le tour de la LFL, messieurs. Alors, on va passer du côté de la Corée, où il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment, bon, alors, c'était préannoncé, mais c'est confirmé. Donc, il y a Edge Dragon et Gang By Mom qui quittent Griffin. Dans un premier temps, on a aussi Tarzan et Wadid qui quittent Griffin avec Viper du coup. Alors on va laisser un peu le temps à la régie de rattraper un petit peu les assets. Alors commençons par Dragon et Gang By Mom. Ouais, Gang By Mom qui avait fait son arrivée il y a peu dans des staffs en Corée. Et bon, on le connaît, Gang By Mom, c'est le joueur de Xerath dans les games qui duraient 50 minutes de Jhinner avec 2 kills. Et il contrôlait toute la carte avec son Xerath. Il avait vraiment un style chirurgical et infâme. Et Ash Dragon, c'était le maître à penser de Jhinner Greenwings, messieurs, qui était passé du côté de Griffin. Et bon, on sait que Griffin n'a pas réussi à se maintenir dans l'élite coréenne. Donc voilà. Ash Dragon, on espère le revoir bientôt, messieurs, et pour moi, c'est un des personnages que j'ai envie de suivre le plus dans cette off-season. Qui héritera du coach légendaire des Jhinner Greenwings? Voilà. Alors, j'ai quelques propositions. Il y a Origen qui cherche à renforcer son staff dans le style de jeu Edge Dragon. Je pense que c'est une première piste à explorer. Après, en vrai, Origen, à la fin, il commençait un petit peu à tenter d'autres choses. Voilà. Donc, on verra sur le prochain split. Il y a des gens qui demandent Edge Dragon chez Katie Rolster, Noah. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, si ça devait arriver, je pense que tous les jours, en me levant pendant un an, je t'enverrai un petit message où je te rappellerai qu'il est à la tête de Katie. Ce serait incroyable. c'est ça les amis. Tu tires sur moi. Non, ça me ferait chier de ouf. Franchement, Mais ils ont un bon staff chez Katie, ça va pas bouger. Ça me buterait notamment. Mais un petit Edge Dragon en renfort pour sa connaissance du late game. J'allais dire, vous en voulez pas chez SKT, mais bon. Bah non, nous quoi. Ça va, on est champion de Corée, tout va bien, ça fonctionne bien de notre côté. Mais j'espère qu'ils vont amener chez Jhinner, histoire qu'on voit plus jamais l'équipe. Peut-être que pour vous, le problème, c'est que voilà, il y avait peut-être pas assez de maîtrise du late game, de multiplication des menaces dans vos drafts de late game. Vous avez peut-être besoin d'un cador dans ce domaine et
voilà, après tout, Ash Dragon, c'est celui qui a formé Teddy. Et regarde la star qu'il est actuellement. Vous avez Aiming. Il y a peut-être moyen de développer un peu plus le joueur, quoi. Voilà. Voilà. Ah ouais, c'est des, je suis des content, suggestions. Et ça se trouve, ils forment très très bien les ED Carry, hein, c'est vrai. Hein. Regarde. Ouais. On va chercher, et on va chercher à citer d'autres grands joueurs chez Jhinner. Qui viennent de Jhinner. Comme, Gang by Mom. Gang by Mom. C'est pas un grand joueur, Gang by Mom. Tu te fous de ma gueule. Écoute, il s'est exporté. Mais pour qui il a joué en Europe déjà? Tu vois, on s'en souvient même plus. GBM, non? Attends, il a joué pour qui déjà GBM? C'est terrible. C'est le mot qui en peut plus. Bon, GBM, ben voilà, il a joué pour Vitality. Il a joué pour Vitality, c'était bien ça. Ah, je m'en souviens même plus. Je m'en souviens. Pourtant, même mec, plus. C'était assez épique hein, quand ils ont quand il a été recruté chez Vitality, Gang by Mom, ça a été un long sujet de discussion. Mais donc voilà, beaucoup de discussions pour le staff de Griffin qui s'en va, mais je pense que ça méritait qu'on s'arrête particulièrement sur ces éléments. Oui, ben c'est important. Alors Tarzan et Wadid, voilà, annoncent qu'ils ont quitté Griffin. Viper, lui, a été annoncé du côté de Anoa Life, donc je pense un joli petit coup là pour Anoa. Qui va leur faire beaucoup de bien, parce que même si les joueurs sortent d'une saison dégueu chez Griffin, ça n'en reste pas moins des joueurs extrêmement talentueux. Et Tarzan, alors la rumeur voudrait, c'est Dwinby qui le disait sur son stream, que Tarzan parte du côté de la LPL. Donc ouais, mais ça fait déjà deux semaines que le bruit court, hein, même avant que les départs de chez Griffin aient été officialisés. J'en avais un peu parlé la semaine dernière. Et il se dit qu'il pourrait aller du côté de LNG en Chine. LNG, pour rappeler le roster actuellement, on a Flandre, XX, Maple, Azura, Duan. Bon, c'est pas l'équipe phare de LPL. Hein. C'est clair et net. Mais bon, j'espère qu'il ira dans une meilleure équipe que ça, honnêtement. Parce qu'ils ont fait quoi, LNG ou... Oh, ils ont fait un petit 16e place LNG au Spring. Il n'y a que 16 équipes? Non, 17. 17, excuse-moi. Attends. Si, c'est ça, ils ont bien fait. Ah oui, non, c'est bien ça. Ouais, ouais, solide. Nice. Donc voilà, j'espère qu'il a d'autres perspectives que LNG. Ouais, ce serait sympa. Allez, une dernière petite news et un dernier petit point mercato avant de faire une très courte pub, de passer aux news et ensuite de recevoir notre ami Duke. On a retrouvé des news des activités de Faker. Voilà, celui-ci s'entraîne comme une bête pour son tournoi de milieu de saison, pour emmener SKT au plus haut niveau. Voilà, il concentre la totalité de sa force de travail du côté de League of Legends. Quel joueur concentré et mais t'en penses quoi, toi, Chips, d'être aussi dévoué à son travail que les Faker? Mais pour moi, c'est un maître, il a tout compris. Et écoute, Jordan, les Air Jordan, et il y a un super docu qui est sorti, The Last Dance, je vous le conseille, c'est sur Netflix. Et voilà, Faker a compris, il faut créer sa marque, et bientôt un The Last Dance version Faker, peut-être, on verra bien, mais le génie, je veux dire, il a compris comment on remplissait le compte en banque. Et moi, je t'attends qu'une seule chose. GG à lui. Je t'attends. J'entends qu'une seule chose, c'est sa transition en tant que dans sa carrière en tant qu'acteur et de le voir sur les grands écrans. Ce serait fou. Oui. Ce serait. Je sais pas. Après, quel rôle? Il faudrait quelque chose. Un joueur de poker. Avec, Ouais, voilà. J'ai en particulier une. Alors. Et on n'avait pas prévu d'en parler, mais il y a des gens qui veulent parler de B-Voy qui a été annoncé du côté, enfin il a été annoncé, en tout cas les rumeurs l'enverraient du côté de Flamengo, messieurs, au Brésil, voilà, l'homme qui était le troisième meilleur ADC d'Europe d'après Tréton.
Exactement. Et je pense que c'est mérité pour le troisième meilleur ADC. C'est une opportunité de carrière. Et c'est bien mieux que de rester en Europe à essayer de gagner des titres de MSI et de champion du monde. Ouais. Bien joué à lui. On lui souhaite tout le meilleur du monde. Et bien joué à Tréton pour sa vision exemplaire. Ouais. Ouais, Jean-Claude Dugarry qui a frappé. Tandis que on voit Faker qui développe, eh bien, son côté homme d'affaires, son côté icône. Regardez-le. World class. Bon, de classer. Et voilà pour cette première partie de 100% comestible. On va faire une petite pause. On reviendra juste après pour des news. On parlera un petit peu rapidement des franchises SK. Il y a un nouveau record qui a été fait sur League of Legends. On aura le temps de l'aborder. Quelques news du côté de Valorant. Et enfin, on pourra accueillir Duke qui, lui, nous parlera du roster Vitality. Comment se sont fait les choix? Pourquoi? Qu'est-ce qui va être fait l'année prochaine, au split prochain, etc., etc. On fait une toute petite pause et on revient tout de suite sur Gaming LOL. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission pendant que Chips fait clairement son suceur pour parler des news, accueillir Vitality. Et on va commencer directement par le patch. Le patch 10.11 dont les changements ont été annoncés. Alors c'est pas encore officiel, mais des changements qui ont amené magnifique. C'est quoi? Des poules tricotées. Très bien. Me demande pas, mais j'ai trouvé qu'elles avaient, enfin, il y avait la place sur ma casquette, quoi. Voilà. Mais effectivement. Donc ce patch, un patch pour les ADC. Glopo, toi qui as toujours de très bons insights sur les patchs, hein, t'étais le premier à avoir vu l'incroyable up de Udyr. Tu veux que je te lise le point central de ce patch? C'est le nouveau skin de Bard. Le point central. Voilà. Le nouveau skin du meilleur champion du jeu. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Sinon, ouais, tu l'as bien amorcé, hein, c'est les changements massifs sur les ADC. Je pense que ça va soulager beaucoup les joueurs de ce poste que j'ai toujours admiré. Alors, je sais pas si il faut vanter leur courage, leur abnégation, ou alors s'ils sont juste des gens qui sont tout simplement masochistes et qui aiment ne pas avoir leur game entre les mains. Déjà, quand tu lances une solo queue, c'est compliqué de réellement l'avoir. Alors, en plus, en jouant à DC, messieurs, chapeau. Mais peut-être que les temps ont changé avec ce patch. Un patch bien favorable aux AD Carry, hein. Clairement, ça avait été annoncé de la part de Riot. Et attends, c'est bizarre, je m'entends en écho. C'est moi ou c'est mon son? Ah, est-ce que c'est, là, tu m'entends, c'est les comment qui te... Non, mais enfin ça, bon, c'est, je vais faire avec. Du coup, merde, je perds mes trucs. C'est terrible. Du coup, ouais, les ADC, Riot avait promis de buffer le poste d'ADC. Et écoutez, promesse tenue. Et honnêtement, c'est pas rien. Les HP de base en plus. Tous les items de critique, enfin tout ce qui est heal qui prend plus de move speed. J'en parlais un peu avec Tréton, il était convaincu que c'était vraiment assez massif ce qui arrivait aux AD Carry. Ça avec des hubs personnels pour plein d'entre eux. Vayne, ça un petit, enfin tous ces trucs là pour Vayne, ça va commencer à quand même devenir quelque chose. Honnêtement, je pense qu'il a jamais fait aussi bon. De passer à des carries, je pense que les patchs à venir vont être assez cool pour la position. Maintenant, moi, vas-y. Bah, juste, je me demandais, enfin, tu vois, est-ce qu'il y aura toujours une possibilité de jouer les mage bots? C'est une question que je me pose avec tous ces hubs d'ADC. Parce que j'aimais bien aussi la possibilité de voir autre chose qu'un pur tireur sur la bot lane. Et j'ai peur que ce patch nous l'interdise, mais peut-être pas, hein. Peut-être que ce sont des craintes dans le vent. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait quand même voir avec des flex, tu prends le Lucian ou le Corki ou la Tristana, tu le mets mid ou top ou un truc dans le genre et tu viens jouer du mage dans des conditions particulières. Il était pas censé avoir un petit up des objets à enfin de l'encensoir ardent aussi, je le vois plus dans le patch, hein. J'avais entendu parler un peu de ça. Qu'on allait se retrouver dans une gigantesque méta Ardent Sensor et qu'on allait en chier dans tous les sens. Hein. Non, là, je vois. Bah, en fait, le truc, c'est que les ADC sont plus forts, donc. Là, les seuls objets qui bougent sont,
sont les objets à Zelle, il me semble. Ouais. Mais ouais, par contre, Lucian le buff, il est quand même assez massif, hein, sur la seconde auto-attaque. Lucian crit, ça peut être vraiment pas dégueu. Pour la question, pour les mages, je sais pas, c'est vrai que, généralement, t'aimes bien sortir de la Syndra contre des champions qui, mettre du temps à scale ou alors qui manque un petit peu de range. Typiquement Syndra, tu la sors dans de la Kai'Sa par exemple, ça peut complètement l'empêcher de jouer. Et le buff du pool de points de vie de base des ADC peut leur permettre peut-être de tenir un peu mieux les matchups contre les mages dans ce genre de situation. Ça, en plus le buff de Moonspeed sur les items à Zelle aussi qui fait beaucoup de bien, les différents buffs sur ces différents ADC aussi, Tristana et Lucian qui sont des flex picks. Donc peut-être qu'on verra moins de mages bot. Je ne saurais pas m'avancer autant. Par contre, ce qui est certain, c'est que les ADC, on peut encore en voir sur les solo lane. Ça reste tout à fait viable. Et au niveau des nerfs, on parlait des mages. Ben là, Syndra qui prend quand même un bon up sur son temps, sur son CD pour ses dispersions d'effets, pour ses stuns. C'est pas anodin. Syndra, c'est peut-être avec Varus le meilleur first pick blue side. Parce que justement, tu peux le flex, donc ça va peut-être être suffisant pour lui casser les jambes. Et au niveau des changements, c'est Graves. Je suis vraiment pas certain que la direction pour le nerf soit bonne. Le nerf, je suis d'accord, c'est nécessaire, mais la direction pour le faire, je pense que c'est vraiment pas ça. Parce que là, en gros, ce qu'on réduit, c'est les, si je fais pas de bêtises, c'est le ratio AD sur les dégâts initiaux du Q-spell. Ouais. Alors qu'en fait, c'est vraiment pas ça qui fait que Graves est OP. C'est le stacking. Son scaling en résistance qui lui permet de mettre des dégâts monstrueux, en plus avec le rush phasique qui se repositionne, tout en étant compliqué à punir. Il n'y a pas de gros counter pick à Graves actuellement, et je pense qu'on ne le prend pas par le bon bout pour le nerf, donc je ne sais pas si ça va être suffisant pour le sortir. Ok, bah, pas mieux sur le patch. On attend de voir, hein. Ce sera le prochain, on verra aussi. Ouais. Lux gros up quand même, hein. Le up du slow de 0,25 à 1 seconde, c'est quand même assez massif. Honnêtement, il y a des chances qu'on voit un peu plus le champion, je pense. Ça me manquait des Lux bots, tiens. Ça faisait longtemps. Et ça, quel plaisir. Lux Vel'Koz, allez hop, on est reparti pour un tour. Alors, on repart du côté de la Corée après ce patch et on parle des franchises LCK puisque du côté de FOMOS, eh bien, on aurait une gigantesque liste de structures voulant acheter leur slot de franchise en LCK. Il y a quelques pistes qui ont été lâchées à droite à gauche. NRG, Pittsburgh Knights, FaZe Clan, donc il y en a un peu, il y a des structures League of Legends, des structures moins League of Legends, mais voilà, on aurait les 10 équipes actuelles de la LCK, voilà, 8 équipes actuellement Challenger, plus des équipes notamment parfois d'Amérique du Nord qui voudraient eh bien créer leur marque pour cette LCK. Messieurs, vous en pensez quoi, vous, de ces grosses structures NA qui voudraient essayer de mettre un pied dans ce marché? Ah, moi, j'ai lu pas mal de discussions sur le sujet. En général, ce qui ressort beaucoup, c'est que les gens disent ouais, bon, les équipes américaines n'ont pas grand-chose à foutre là, elles n'ont pas trop d'ancrage dans la LCK. Ce qui est vrai, c'est vrai que voir FaZe en LCK, ce serait un peu bizarre, mais après, c'est pas comme si le mouvement les investissements de capitaux américains en LCK, ce serait pas la première chose. Une des équipes qui l'a subi récemment, c'est T1, hein, précédemment SKT, et le gros groupe qui a racheté tout le côté e-sport de SKT, c'est Comcast, un groupe américain. Donc, ils ont gardé une identité plutôt coréenne avec le T1 qui vient de SKT T1. Ils s'appuient sur Faker, son image de marque, le rayonnement de SKT. Donc, on va dire, ça passe mieux dans l'esprit des gens. Maintenant, ce mouvement a commencé et ce serait pas étonnant de voir, c'est pas étonnant de voir des équipes vouloir aborder de nouveaux marchés et vouloir rentrer sur League of Legends. Et actuellement, étant donné qu'il y a déjà eu le mouvement de franchise en Europe, en NA, d'ici à ce que les équipes veuillent revendre leurs slots ou qu'on étende le nombre de slots dans ces régions, les grosses structures dans le monde qui veulent investir dans l'e-sport League of Legends et qui ont manqué le coche avant, elles sont à la recherche d'opportunités. C'en est une. Moi personnellement je trouve pas ça ouf, mais peut-être que je suis un peu trop puriste et qu'après tout c'est pas si grave. Beaucoup de gens diraient c'est pas si grave et je pense pas que ce soit un drame non plus, hein, mais
J'espère juste que la LCK perdra pas son identité. En même temps, je vois pas comment ces équipes ne pourraient pas recruter, enfin, dans tous les cas, elles vont recruter full coréen pour jouer en Corée, donc. Voilà. Disons que moi, ça me ferait rire de voir. Si on fait des staffs coréens, ce sera pas grave. Golden Glue par l'intermédiaire de NRG ou de FaZe qui revient conquérir le trône de Corée, c'est une belle storyline quoi. Oui, c'est une belle storyline. C'est une très belle storyline. Ouais, maintenant, à voir si ça se produit. Mais pour rebondir dessus, ben c'est un petit peu délicat parce que quels que soient les circuits, quand on regarde et même au niveau de la composition des équipes, le fait que Riot ne se soit pas positionné nationalement, on n'a toujours pas de coupe des pays, de coupe du monde qui existe, et du coup, ben forcément, ça reste très très ouvert. Et l'économie, par définition, dans le monde dans lequel on vit, ben elle est internationale, elle n'est pas limitée aux États. Et comme Riot n'a pas pris de position claire et forte là-dessus, ça me paraît inévitable et ça va continuer d'aller dans ce sens, je pense. Bah, dans le sport et le divertissement, tu l'as dit, hein, les frontières existent pas tellement. Hein, voilà, enfin, le PSG, ce sont des capitaux qataris, hein, donc. Et dans le foot, on trouve plein d'exemples comme ça en Europe, donc. Bien sûr. Ma foi. Écoutez, si ça rend la LCK plus compétitive et que on reste quand même dans un environnement très coréen, et bon, à la limite, les CEO comme celui américain de T1 a envie parfois de lâcher des trucs sur Twitter, bon, ça peut amener des trucs sympas aussi. Hein, ça peut amener un côté, enfin, le côté plus divertissement, plus proche de son public, peut-être qu'ont développé les équipes occidentales. Si ça peut mieux s'appliquer aux équipes coréennes, si ça peut permettre d'avoir des contenus plus sympas qui font un peu plus rentrer dans les équipes, parce que actuellement tu vois, Katie Rolser par exemple, Noah, qu'est-ce qu'ils font pour leurs fans qui les suivent en dehors de Corée? Il y a rien, même donc, avoir du merch c'est compliqué. Non mais c'est vrai, c'est... mais en règle générale, à part SKT, il n'y a quasiment aucune équipe coréenne qui fait un peu attention à ses fans hors Corée. Donc, ce qui est un peu dommage. Après, ouais, on peut comprendre que les SKT bénéficient de cette aura. Là, au contraire, du côté de la Chine, on n'a pas du tout la même approche. Hein. Pour le coup, du côté de la Chine, c'est, enfin, j'ai une fois mis un pronostic au hasard sur JDG en disant qu'ils allaient gagner après avoir regardé un seul de leurs matchs et au point avoir singé la réponse de Nono. Et ils m'ont mentionné 55 fois pour dire à quel point j'étais un beau gosse de les avoir, voilà, pour la vraie histoire, de les avoir nommés. Donc pour la postérité, c'est voulu, mais dans la réalité des faits, ça a été fait à la schlag. Hein. Mais du coup, c'est effectivement la mise en avant et la recherche de la visibilité ailleurs qu'en Chine est radicalement différente que ce qu'on peut voir en Corée. Voilà, on parlait un peu de la LCK, c'est bien, ça me donne ce beau niveau de jeu, ça me donne une belle transition pour parler d'un record du monde dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été fait du côté de la solo queue. Et c'est une personne qui a réussi à atteindre... Hein? C'est vraiment une solo queue, c'est pas une game normale. Genre, c'était une solo queue. Ranked Flex. Ouais, en Ranked Flex. Mais... Et donc, nous avons eh bien, l'incroyable chance d'avoir un Nunu qui a réussi à atteindre les 700 morts dans une Flex. Et ça devait être un 151 Nunu, hein. Minutes et 3 secondes. C'est Ratiel. Le plaisir du dépassement de soi-même, repousser les limites. Une fois, j'ai atterri sur son stream à Ratiel et le titre du stream, c'était I try to die 100 times. Donc j'essaie de mourir 100 fois avant de jouer la game. Et le gameplay, c'était ben il mourait et il courait tout droit sur la mid lane et c'était en boucle. Il y avait 3000 personnes qui assistaient à ça. Et du coup, je me dis bon, il a peut-être réussi son objectif, mais non, visiblement vu le pseudo, c'est pas lui. Il y a bien des gens qui font des dizaines de milliers de spectateurs en copiant un dictionnaire, donc pourquoi pas en courant 700 fois dans la fontaine. Ouais. Et les gens disent il a gagné, ouais, mais avec un Metroid very 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 late game et une Lulu. À en juger par la répartition des kills, il semblerait qu'effectivement ça se passait en courant sur la mid lane, quoi. C'est la... Ouais. Alors par contre, Larry qui est parti AD. Et qui n'a pas fait de médaille. Pour moi, c'est une faute professionnelle, quand même. Le maître. Non, mais aussi, ce qu'on peut voir dans cette game, et une des problématiques, je pense, qui s'est posée pour l'équipe du Nunu, c'est que regardez, tous les kills sont allés à la Harry. Alors.
Enfin voilà, je veux dire, c'est logique. Dans ce genre de cas, on a tous ses œufs dans le même panier. La Harry meurt une fois et c'est terminé. Bon, on est dans une game de 150 minutes. Mais voilà, réfléchissez-y. Voilà. Il est mort 700 fois. Est-ce que vous imaginez la gueule de la game quand même? 700 fois. En 50 minutes. Mais il est ravagé, hein. Parce que c'est Garen à mourir 20 fois dans une game, déjà tu te fais chier. Enfin, vraiment, si la game se passe mal et que tu meurs 20 fois, déjà, tu t'ennuies parce que tu passes les anciens. Le méga avec ses 400 CS et ses 4 fois Abaddon. Voilà, c'était pour le record. On va pouvoir passer aux news sur Valorant très rapidement. Donc Valorant, ça y est, la sortie du jeu officiel. Vous serez plus obligé d'essayer de dropper une clé bêta en suivant votre streamer favori sur Rito Gaming, à savoir moi-même. Donc Valorant sort le 2 juin. Ça y est, c'est annoncé pour le début de l'été. Vous en rappellerez, c'est 2 jours avant mon anniversaire. Ça vous rappellera de me faire des cadeaux, bien sûr. Bien c'est évidemment. Hein, j'ai un bon goal de 3. Oh, solide. Enfin, ça fait une semaine, j'ai pas trop joué. Je suis Silver 2, là. Ah, bah, on est même Elo, Chips. On est incroyable. Ouais. C'est bien, ça fait plaisir. Ouais. Mais bon, mais écoute, j'ai beaucoup de temps. Excellent. La sortie du jeu, ça va mettre des grosses têtes comme d'habitude, hein. Ah ouais, là, on va, ouais. Ça va. Bah, au moins tu diras, ils vont reset le ranking où tu avais été injustement mis Iron 1. Iron 1. Genre pour climb. Quel que soit le jeu, je n'ai jamais de ma vie été dans la pire ligne du jeu. Même non plus, genre c'était incroyable. Iron 1, toute une expérience. Et ouais, du coup, bon, déjà, c'est quand même assez inhabituel de voir une sortie de jeu qui est avancée. A priori, pour la sortie du jeu, il prévoit un autre agent, une nouvelle map et un nouveau mode de jeu qui ne serait pas du deathmatch, messieurs, mais qui, selon les bruits, serait compétitif. Donc, c'est intéressant. Honnêtement, là, je suis hyper curieux. J'ai vraiment pas d'infos sur ce qu'ils veulent faire. Enfin, un capture de flag avec les compétences des persos dans Valorant, ça pourrait être grave drôle. Tu prends Omen, tu te téléportes. Bah, Jett, quoi. Par exemple. Bah, Jett doit mais avoir là, le flag. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Si c'est un contrôle de zone, si c'est une prise de non, flag, un push de payload. Ce qui serait insane, c'est que Riot libérer les total. Vannes de la création de maps et de modes sur Valorant pour te retrouver avec des serveurs dédiés. Ça, ce serait vraiment. Ouais. Fou, c'est incroyable. Mais ouais. C'est pas trop le genre de Riot, mais ce sera assez fou. Parce que quand les modeurs vont nous mettre les personnages de League of Legends avec les compétences de League of Legends à l'intérieur de Valorant sur une map perso, c'est le moment où on va bien rigoler. Mais ouais. On n'y est pas tout de suite. Côté Valorant, une nouvelle annonce de line-up. C'est quelque chose qu'on va suivre un petit peu, savoir qui sont les déserteurs ou qui sont les gens qui se barrent des autres FPS pour venir vers Valorant, ou tout simplement quelles sont les grosses structures qui vont commencer à préparer l'e-sport de demain sur Valorant. Donc on a l'arrivée de Immortals. Voilà, ça touchait un peu à notre copain Zab, même si c'était pas vraiment son pôle, qui a décidé d'annoncer sa line-up et de se lancer aussi. De l'autre, voilà, juste à côté, on a les Angry Titans, donc connu du côté de FPS, du côté de l'Allemagne et de Take TV. Voilà, c'est l'organisation qui est derrière Take TV et eux aussi qui se lancent et qui annoncent leur line-up. Donc ça y est, à travers le monde, on a vu SKT, on a vu Immortals, on a vu les écuries françaises, toutes les régions. La scène e-sport, elle sera prête. Peut-être pas forcément pour le 2 juin. Peut-être pas forcément pour 2020, mais pour toutes les personnes, oui, qui pourraient se poser la question, oui, Valorant, est-ce que les équipes vont s'y mettre? Est-ce que les gens vont s'y mettre? A priori, la réponse, c'est oui. Glopo, toi, t'en penses quoi un petit peu de cette course à l'armement sur Valorant? Ben, comme tu l'as dit, hein, la scène e-sport est déjà en train de se préstructurer. De toute façon, c'est un jeu qui est ultra attendu. Ils ont fait un super bon boulot de hype avant le lancement du jeu. Moi, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'on lance les hostilités et qu'on voit quelle tête ça a dans un vrai domaine, dans un vrai circuit officiel. Voilà. J'ai hâte. Voilà du côté des news Valorant. Pour les news, c'est terminé. On va faire un dernier petit point avant de pouvoir accueillir Duke qui va nous parler de Vitality. Glopo,
tu avais des stats, tu avais des choses intéressantes à nous montrer par rapport à la solo queue. Ouais, rapidement. Alors, l'autre jour en stream, je me faisais la réflexion et malheureusement, j'ai pas eu le temps de creuser autant que je le voulais avant l'émission parce que j'ai eu pas mal de taf. Donc, j'ai pas de conclusion. Je vais simplement vous faire part de ma réflexion et ouvrir le débat. Moi, ça fait un moment que je suis Hardstock Diamant 4. Voilà. Et le truc, c'est qu'en Diamant 4, pour ceux qui connaissent, c'est quasiment impossible de démote en fait. Tu peux être à Diamant 4 0 LP, faire 10 défaites d'affilée et t'es Diamant 4 0 LP. Ce qui change, c'est que t'as un triangle jaune qui apparaît, puis un triangle rouge, et puis il y a un moment où tu peux démote. Le problème, c'est que dans tout ça, il y a une histoire de MMR dans le jeu. Et quand tu ne démotes pas et que tu chaînes loose, ton MMR, par contre, lui, il chute en flèche. Et du coup, tu te retrouves à faire du plus 4, moins 22 par défaite. Et tu te retrouves à être tout simplement hardstuck. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ce système existait pour, déjà, le système de promotion et de MMR, qui me paraissent peut-être pas très bons, et qui viennent en plus renforcer l'aspect toxique de la solo queue, qui défraie un petit peu la chronique en ce moment, on en entend beaucoup parler. Et je me suis posé cette question, et du coup, je suis allé à la pêche aux informations, et je remercie au passage Zorion, qui est, je crois, dans le chat, et qui m'a fourni les graphes dont j'avais besoin pour venir imaginer un petit peu mon étude. Et on va commencer par un graphe. Alors je sais plus si c'est celui de CS:GO ou de Dota 2. De toute façon, je vais vous montrer les deux en régie. Quiche, c'est quand, voilà. Donc on commence avec la rank distribution de CS:GO. Donc là, vous voyez en fonction de la population, comment la population est répartie dans les différents rangs, avec bien sûr Global Elite qui est les meilleurs joueurs avec le moins de monde possible. Et là, la première chose qui saute aux yeux, c'est pas que majoritairement il y a des golds, mais c'est surtout ce à quoi je vous demande de faire attention, c'est à la pente de la courbe, à quel point elle est quand même plus ou moins régulière. On voit quand même la majorité de la population est moyenne, assez logiquement, et plus on va dans l'élite, moins il y a de monde, et c'est une courbe qui est une pente descendante qui est quand même assez smooth, assez fluide. On va maintenant regarder le graphe de Dota 2. Pareil, la répartition des joueurs en fonction des rangs, et je vais attirer votre attention sur le même chose, sur le même aspect qui saute aux yeux, qui est très important, je pense. Voilà, là, on a quand même aussi quelque chose d'extrêmement fluide. Je sais pas trop pourquoi à la fin il y a autant de monde en immortal, mais bon, le fait est que, pareil, c'est encore une pente qui est très fluide avec la majorité des gens qui sont moyens, logiquement, et sur les deux côtés, ça redescend. Pour à titre comparatif, j'ai décidé de me pencher sur une autre répartition de la population en fonction du niveau, mais sur un milieu qui n'est pas l'e-sport, sur celui des échecs avec les lots. Ça va apparaître sur vos écrans dans quelques instants également. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est surprenant, hein, encore une fois, on a une courbe qui est extrêmement fluide avec, pareil, les gens qui sont au milieu. Et plus on avance, moins il y a de monde, mais la pente est plutôt régulière. Mais Glopo, quelle est la tronche de la courbe de League of Legends? Et voilà, la question qui est sur toutes les lèvres, bien évidemment. Et du coup, la régie qui va nous régaler et qui va faire apparaître. J'aime beaucoup la façon dont t'as monté le suspense, le storytelling derrière cette courbe, parce que du coup, j'en salive. Bien sûr. Et du coup, quelle est la répartition des joueurs en fonction du rang sur League of Legends? C'est maintenant que ça apparaît. Et je vais vous inviter à vous pencher dessus. Bah ouais, mais c'est les paliers. C'est chaque palier qui sont comme ça. Mais il y a des paliers aussi sur Dota et sur CS:GO. Mais pourquoi? Le problème, c'est de descendre de premier. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a deux fois plus de joueurs en Gold 4 qu'en Silver 1? Pourquoi il y a presque deux fois plus de joueurs en Gold 4 qu'en Silver 1? Pourquoi en Silver 4 qu'en Bronze 1? Pourquoi c'est le cas aussi en Plate 4 et en Gold 1? Et pourquoi 80% des joueurs diamants sont diamants 4? Je ne sais pas. Voilà. Et j'en suis là. Et je vous avouerai que quand on se penche sur les autres graphes, c'est interpellant quand même. C'est interpellant. Bah, je pense que pour tout joueur de League of Legends qui est là depuis un bout de temps, il a remarqué qu'à chaque fois qu'il monte sur un nouveau palier, les games sont dégueulasses. Là, moi, je suis plat de 4. Enfin, donc, je vais essayer de monter justement un petit peu. On joue pas mal avec Chips. On swap. On a un super système de swap. On joue une game sur deux la top lane. Mais elles sont dégueulasses, les games. Et le truc, c'est que tu peux faire, comme tu l'as dit, une série de hard lose. Mais de hard lose où tu joues avec les yep pour descendre du palier 4 au palier 1, faut vraiment se donner de ouf. C'est-à-dire que faut être oméga tilt, jouer 24 games de suite et à la fin jeter son PC contre le mur. Et du coup, tu te retrouves aussi avec des gens qui de toute façon savent qu'ils ne vont pas démote. Voilà. Donc
Voilà. Et sincèrement, je pense que ça contribue largement à l'état de la toxicité. Moi, en tant que Diamant 4, je suis là, mais je remets en question réellement quel est vraiment mon niveau, puisque je ne peux pas démote. Et qu'il m'arrive de temps en temps de faire des pics en Diamant 2, en Diamant 1, mais je peux pas démote en dessous de Diamant 4. Et sincèrement, très sincèrement, je ne sais pas ce que je vaux. Je ne sais pas quel est mon réel niveau, parce que je peux pas descendre. Et je suis stuck ici. Challenger, de... mec. Ouais, merci Chips. Je sais que t'es absolument pas délusionnel et ça me fait plaisir. Merci pour ton soutien avec ta casquette Vitality. On sait que tu es parfaitement objectif. On te connaît. Mais voilà, tout simplement, je pense que c'est un réel problème. Il y a différents paliers sur CS:GO aussi. Pourquoi est-ce que League of Legends est le seul jeu où la répartition de la population en fonction du niveau est aussi chaotique? Voilà, c'est la question que je pose et c'est le débat que j'ouvre maintenant. Ok. Je suis d'accord qu'il faut changer ça. Hein. Et ils ont pas ça sur Valorant, hein. Ce qui est bizarre. Sur Valorant, tu démotes, hein. Il n'y a pas de je reste stuck, etc. Ah oui, je peux te dire qu'il n'y a pas de problème, hein. De silver à bronze, ça se fait facilement. En vrai, 5-20. Je pense que le système de promo est fondamentalement mauvais. Le système d'Elo qui existait initialement me paraissait très très bien. Et on devrait pouvoir démote instantanément, en fait. J'ai le sentiment qu'ils ont cherché à créer des barrières pour que les gens ne soient pas frustrés de perdre entre guillemets leur rang. Et j'ai l'impression que sur le long terme, ça fait beaucoup plus de mal que de bien, parce qu'il y a des gens qui jouent plus leur game, qui jouent en autopilote et qui s'en foutent, qui se remettent pas en question, et ça démoralise ceux qui veulent monter et qui se tapent des games full toxiques à cause de ça. Et ça fait qu'empirer la situation. Voilà, c'est mon avis. Ben en vrai c'est super intéressant ces graphes et ouais ça, je m'étais toujours posé la question un petit peu parce que c'était vraiment le sentiment que j'avais et ben maintenant j'ai ma réponse. Messieurs, il est 20h30 et il est l'heure d'accueillir un homme qui préchote les drafts des milliards d'années en avance. Il s'agit de Lumo Draftus, le head coach de Vitality alias Duke, que l'on va pouvoir accueillir afin de répondre à nos questions, notamment sur cette période de mercato Vitality. Quand vous voulez, du côté de la régie, on l'a fait un petit peu poireauter 15 minutes. Ah, il est là. Qu'il est disgracieux. Vous m'entendez bien? On entend bien. Bien mec, je suis aux couleurs plus que toi, hein, Duke. Ouais, j'ai remarqué. Ouais, bah, j'ai pas pensé à prendre mon stuff. Ouais. J'ai laissé dans mon appart. Parce que je suis dans la gaming house là, pour l'instant. D'ailleurs, beau décor, beau mur. Ouais, sympa. J'ai décoré pour l'occasion. Merci. Bonjour à tous. Bon, du coup, Duke, merci d'être venu dans 100% comestible. Comme tu peux t'en douter, les questions vont beaucoup tourner autour des annonces de line-up Vitality. T'as fait déjà un premier Ask Me Anything sur Reddit pour ceux qui voudraient avoir du complément d'information. Bon, raconte-nous comment ça s'est fait cette intersaison. Voilà, on met de côté un petit peu ce qui s'est passé au spring. Tu arrives à l'intersaison et tu dois remettre l'équipe sur pied pour préparer le summer split. C'est quoi un peu le process? C'est sûr quoi, le split pick était un peu catastrophique. Juste, je voulais juste être sûr que j'ai le bon micro, parce que je vois dans le chat que j'ai pas le bon micro. Et c'est que j'ai pas de split sur le truc que vous m'avez filé, je sais pas trop. On entend un peu la pièce, ouais. Il y a rien derrière moi. C'est peut-être le micro de ta webcam, mais dans ce cas-là, tu dois aller à côté de ta barre de recherche, tu as une petite webcam, tu cliques pour les paramètres et tu regardes si c'est le micro de ta webcam qui y est ou si c'est ton micro casque. Je suis tellement un technicien audio. Oh là là, le maître du VMX. Effectivement. Quel incroyable dieu. Sauf que je ne peux pas le changer. Et après, il faut F5, te dit Tréton. Ouais, donc je ne peux pas changer le micro. Non, mais si, ça a l'air... C'est vrai que quand tu te rapproches de ta webcam, on a un meilleur son. Mais pourtant, je suis sur cette montre, c'est ça qui est étonnant. Et je peux pas le changer sur mon truc. En vrai, le son, on t'entend, le son est honnête. Hein. Le son est honnête. Hein. Bon, écoutez, je vais essayer de me rapprocher de la webcam pour être certain. Ouais, du coup... Petit son de chiottes, mais tranquille, tu vois. Ouais, du coup, le conflit était compliqué, clairement, pour plein de raisons qu'on peut lister si vous voulez. Du coup, la question sur l'off-season, du coup, on avait un peu de temps. L'idée, c'était d'être sûr
au moins, parce que bon, entre Spring et le Summer, c'est compliqué hein, de tout changer, forcément, tous les joueurs sont sous contrat, c'est, et puis c'était pas forcément l'objectif. Donc, ce qu'on voulait, c'était être sûr déjà d'avoir un 5 à partir des joueurs qu'on avait qui était le plus optimal. Parce qu'on avait fait pas mal d'aller-retour, que ce soit en support, bon, en mid lane, on l'a jamais vu tout court, mais, et on voulait, voilà, on voulait être sûr. Donc, on a fait les try-outs, on a fait 3 semaines de try-outs. Donc en fait des scrims internes, on changeait, en fait on faisait tourner les équipes et on a fait venir quelques joueurs de l'extérieur, enfin, j'en ai eu peut-être entre 5 et 10 qui ont dû jouer à différents postes et au bout de 3 semaines on est parti sur un 5 pour le summer. On a aussi pris en compte des tests de personnalité, des entretiens, genre de choses, des tests de personnalité adaptés justement aux conditions de performance professionnelle. Enfin, entre guillemets sportifs, parce que c'est des tests qui sont utilisés dans le sport qu'on utilise là, ici. Et voilà. Et du coup, après, on a sélectionné les 5 joueurs et là, on a repris les scrims un peu en avance. Alors, du coup, est-ce qu'on aura cette fois-ci tous les joueurs en Gaming House? Est-ce qu'on va pas se prendre un petit surprise, une petite surprise Spring avec un joueur qui reste bloqué avec le confinement, avec les frontières, avec le visa ou ce genre de choses? Alors, c'était chaud, mais a priori c'est bon. Il reste encore un dernier point à lever. Donc effectivement, ça aurait pu être aussi compliqué. Donc d'une part, déjà maintenant, on a un bureau, ce qui n'était pas le cas du Spring, ce qui permet à notre équipe Académie d'être avec nous à Berlin. Donc on va avoir les bureaux à partir de lundi là, et l'équipe Académie est effectivement à Berlin. Donc ça c'est pas mal, ce qui nous permet aussi de bosser avec eux directement. On va tous être dans le même bureau. L'académie va jouer à la LFL depuis Berlin. Aïe aïe aïe. Ouais. Absolument. C'est des pauses pour les commentateurs. Et Internet à Berlin, ça se passe comment, Duke? L'internet est pourri à Berlin, mais yes. Mais ils vont jouer du. Enfin, en gros, ils vont jouer de des bureaux. Et normalement, l'internet à nos bureaux est bien. C'est l'internet sur une ligne pro. Normalement, c'est bon. Et a priori, ça a été testé. Là, j'ai des joueurs qui jouaient. Apparemment, c'est bon. Donc de ce côté-là, c'est bon. Milica, alors on avait un peu peur parce que Milica et Iopa, du coup, qui viennent de Serbie avec le coronavirus, c'était une nouvelle douille. Mais effectivement, leurs premiers vols ont été annulés, mais finalement, ils sont arrivés ce matin. Donc ça, c'est bon aussi. Et le dernier truc, c'est Labrov qui doit finir les cours. Et comme il y avait le coronavirus, du coup, la fin des cours a été décalée, forcément, parce que sinon, cette année aurait été un peu trop facile. Et du coup, il devait louper la première semaine de LEC, mais ça, il y a peut-être moyen de négocier, mais je peux pas en parler pour l'instant. C'est peut-être qu'il va pouvoir jouer dès le début. On est en train de discuter là-dessus. Et donc, Labrov okay. est pour l'instant le seul qui est pas à Berlin, mais dès qu'il aura fini, dès qu'il sera dispo, il viendra. Ok. Du coup, alors, alors, si vous avez des questions sur le chat, posez-les, on verra pour en sélectionner une ou deux. Mais une question qui a généré beaucoup de débats, Duke, c'est la jungle avec Engie, donc mm-hmm. joueur français également qui est joué pour votre académie au Spring. Et du coup, le retour de Skins, on a eu un communiqué de l'équipe spécialement pour Skins. On a senti qu'il y avait cette volonté quand même d'apaiser les tensions on va dire de rendre hommage aux joueurs entre guillemets, de bien montrer qu'il y avait, c'était pas une punition ou autre. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous parler du changement entre les deux joueurs? C'est pas le même genre de profil. Qu'est-ce que tu vises finalement? Qu'est-ce que vous visez avec ton staff avec ce changement? En fait, c'est même deux profils opposés, hein, Skins et NG. C'est-à-dire que NG, c'est un très gros shot caller, une grosse présence dans l'équipe, dans le vocal, qui va jouer vraiment pour se sacrifier. Lui s'en fout, s'il faut qu'il crève pour créer un fight, c'est ce qu'il fait. Et l'autre côté, Skins, qui est le jungler super talentueux d'early game, très très bon mécaniquement, qui va te faire des plays de fou furieux sur Lee Sin, ce genre de truc. Le truc, c'est qu'avec les quatre autres qu'on a choisis, donc Belitsa, Labrov, Comp et Cabo, on a déjà pas mal de puissance de feu entre guillemets, mais on avait du mal à trouver une direction. Et dans les quatre, pour l'instant, il y avait pas encore de voix suffisamment, parce que Cabo pourrait parfois le faire, mais le problème c'est que Cabo il joue top, donc c'est un peu compliqué parfois de le faire de la top lane. On avait besoin un peu de quelqu'un pour les guider, et on a vu pendant les tryouts que NG était plus à même de le faire pour l'instant, même si on espère aussi que Skins puisse développer ce type de compétences.
Et du coup, ce qu'on veut faire aussi pour, du côté de Skill, c'est qu'on est confiant aussi sur ses capacités à progresser. Et on a, il y a Vitality qui continue de croire énormément en Skins et il est très, très apprécié au sein de la structure. Et du coup, on s'est dit, même on l'a vu aussi avec lui, que c'était probablement pour lui, pour développer en fait ce qui lui permettrait de passer à la vitesse supérieure, parce que c'est pas les mécaniques, c'est pas le jungling pur entre guillemets qui l'a amélioré, c'est plus sa façon d'interagir au sein de l'équipe, jouer pour une condition de victoire, sa présence dans le vocal. Et ça, on pensait que ce serait plus facile pour lui de le travailler en LFL dans une équipe qui lui, enfin dont les, avec qui je pense qu'il a plus d'affinité. Et avec un niveau un petit peu moins sur lequel il peut du coup juste se concentrer sur sa progression quitte à le revoir par la suite sans problème. De toute façon, on bosse tous ensemble ici et enfin on est même si on part sur un 5, l'objectif c'est quand même de vraiment bosser à 10 pendant tout le split. Ok, c'est okay, donc parlé, okay. Un peu plus tôt, je me disais carrément avec l'annonce des deux line-up, pour moi, les scrims entre les deux équipes Vita, à mon avis, ils peuvent être intéressants. Tu confirmes? Vous en avez... Ah oui, mais en fait, le truc, c'est que tout ça, c'était censé être ce qui était prévu en spring. On a voulu prendre une équipe, on a pris une équipe main avec beaucoup de rookies, et on avait pris une équipe Academy très forte. Et l'idée, c'était qu'on fasse beaucoup de scrims. Et en fait, ce qu'on veut aussi avec Mephisto, c'est un peu changer la façon de s'entraîner. Parce qu'à l'heure actuelle, les scrims, c'est on fait 5 full games d'affilée. Et là, ce qu'on voulait, c'est avoir l'équipe Academy vraiment à disposition pour vraiment faire des scrims un peu custom pour pouvoir travailler certains scrims. À la coréenne, en fait. À la coréenne sur StarCraft. En fait, sur StarCraft, chaque joueur... avait une sorte de punching ball qui était un peu le nouveau joueur qui venait d'arriver dans la structure et le punching ball se faisait rosser dans des parties perso où le mec disait bon bah tu vas me faire tel push à telle minute et moi je suis au courant qu'il arrive, je vais devoir le défendre de telle façon etc, et faisait des scrims perso, et à la fin le punching ball fort de son expérience de s'être fait massacrer pendant des années ou des mois par le joueur pro commençait à monter un petit peu, mais c'était un peu effectivement à la coréenne, c'était un peu comme ça que se faisait l'entraînement, c'est-à-dire qu'on se faisait de l'entraînement custom en perso. Après effectivement, c'est pas les mêmes moyens quand tu as 5 joueurs sur LoL. Après, l'idée, c'est pas que ce soit un punching ball. Hein. L'idée, c'est effectivement qu'on puisse faire des entraînements custom pour travailler des situations spécifiques, mais l'idée, c'est que ce soit bénéfique pour les deux. Le problème, du coup, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est aussi pouvoir être à 10 sur place dans les bureaux pour faire ça, pour aussi avoir les staffs ensemble, pour qu'on puisse se voir le matin, notamment, préparer ça, pour que aussi les joueurs soient tous disponibles. On avait Yopa aussi qui n'était pas là en académie, on avait Milissa qui n'était pas là en main team, mais on voulait faire ça dès le début. Donc, effectivement, Globo, comme tu l'as dit, cette équipe académie est un sparring partner de notre main team et on stream, d'ailleurs, on stream demain, mais on compte effectivement mettre beaucoup d'entraînements spécifiques avec eux. Ouais. Est-ce qu'en fonction des résultats des scrims, il peut y avoir des changements de joueurs d'une équipe à l'autre sans avoir en dehors des résultats compétitifs? C'est-à-dire que vous faites une grosse session de stream et effectivement vous apercevez que là il y a un joueur qui marche pas trop, qui a une stratégie qui marche bien ou qui a un tournant dans la méta qui favorise peut-être un jungler par rapport à un autre ou un ADC. Est-ce que c'est quelque chose que vous autorisez selon les règles, enfin bien sûr en respectant les règles Riot? Enfin, bien sûr, sur le papier, c'est possible, c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais moi, à partir du moment où c'est faisable, si jamais ça se révèle sur le moment être une bonne solution, oui, mais pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour, c'est juste que dans ce milieu, tout peut arriver, entre guillemets, et puis il y a des problèmes qui sortent de nulle part, donc pourquoi pas, mais on se base beaucoup, de toute façon, pour ça, on entend beaucoup les équipes parler des scrims, on est bon en scrim, on est pas bon en scrim. Effectivement, 80% des infos des équipes, ça vient des scrims. Donc, de toute façon, quasiment toutes les décisions qui sont faites viennent des scrims. Il y a une petite question qui demandait dans le chat. Ouais, le fait qu'il y ait 3 supports du coup au total, quel était le rôle particulier? Pourquoi est-ce qu'on a 3 joueurs sur ce poste? Quelle est la pensée derrière? Alors, on a clairement recruté Labrov pour être titulaire au summer. Tu peux nous en parler rapidement de Labrov aussi. Ok, c'est alors Labrov qui du coup un ancien joueur de Big, Berlin International Gaming, qui a gagné les U Masters avec Karzy l'année dernière. Je crois que c'était Karzy, White Knight, Zazie. Ouais, équipement. Ouais, et ils avaient Donnard, je crois, en jungle. Et donc c'était ça fait pas mal de temps qu'il est un peu dans le radar Labrov, mais en fait il fallait qu'il finisse le lycée un peu comme Larsen l'année dernière, et de la même manière d'ailleurs que Larsen qui n'avait pas fait le spring de l'année dernière et qui arrivait au summer, bah c'était à peu près pareil pour Labrov.
Et du coup, on l'a try-out pendant la phase de try-out. Phase de try-out, Jack Roll avait quand même très bien performé, il faut quand même le souligner. Mais ce qui s'est passé du coup, c'est que on veut mettre Labrof en titulaire. Le truc, c'est que Labrof, il va pas être forcément. Enfin, a priori, il n'était pas dispo dès le début, quoi. Donc, il nous fallait un support pour faire l'intérim entre les deux. Et du coup, Steelback gardait sa position de titulaire en académie. Et du coup, il fallait que quelqu'un. Alors, on aurait pu prendre Steelback. Le truc, c'est que Jack Roll était encore sous contrat. A priori, bah, pourquoi pas utiliser Jack Roll pendant ce moment pour que Steelback se concentre sur la LFL et pour la c'est juste jouer une semaine en fait, donc c'est plus que ça va plus perturber si on doit prendre des scrims avec Steelback qui joue avec l'académie par exemple, ça aurait pas D'accord. trop de sens quoi. Ok. Et le fait que Steelback soit en LFL et le travail que vous attendez, la progression que vous attendez de la part de Skins sur notamment le show de call en early, on se souvient de la synergie Steelback-Joko lorsqu'ils jouaient ensemble en LFL, à quel point ça fonctionnait bien. Je suppose que c'est pas anodin du coup d'avoir Skins et Steelback pour travailler sur cet aspect-là en particulier. Ouais, après l'idée c'est vraiment qu'il se développe lui-même, enfin se développe sur cet aspect de lui-même. Mais effectivement, avoir Steelback en cadre, c'est très important et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est dans ce roster. Mais ouais, c'est sûr que Pierre lui s'entendent bien, ils s'entendent bien entre Français. Je pense qu'ils ont déjà un peu fait du spring split ensemble du coup. Donc ouais, ça se passe bien entre les deux. Et alors Duke, bon, il y a pas mal de questions qui sont passées, mais il y a des gens qui demandaient à savoir, et comme t'en parlais au début de l'émission, est-ce que tu peux revenir un peu sur les raisons de ce spring si difficile? Ouais, bien sûr. Alors, pour commencer, il y a le visa qui a été un gros problème. Les visas d'ailleurs, parce qu'il y a eu Yopa en LFL qui, du coup, aussi empêchait notre Team Academy d'être le sparring partner qu'on attendait. Ça a aussi perturbé énormément l'équipe Academy. Et du coup, ça crée beaucoup de chaos en fait au sein de l'équipe qui perturbait tous les joueurs, ceux qui revenaient en main team. Enfin, c'était un bordel pas possible. Donc, Milissa en main team. Qui, du coup, on fait venir Seiken qui est un très bon joueur, mais à qui on demande de faire jouer LFL le mardi, mercredi, LEC le samedi, le jeudi, le vendredi, samedi, sachant que justement c'est un joueur, je pense, parce qu'on l'avait considéré même pour le LEC dès le début, ça code, mais je pense que c'est un joueur qui justement gagnait beaucoup de faire encore 6 mois en LFL pour se trouver un peu, parce que je pense qu'il a énormément de talent du côté de Second, mais il a besoin un peu de trouver son rythme et de réussir à vraiment entrer dans le jeu professionnel en étant fully commit dessus. Et je pense que ça a été un peu dur pour lui, hein, mais même si j'étais avec lui tout le temps et qu'il a vraiment fait de son mieux, c'était très très dur pour lui. Et au bout d'un moment, du coup, de toute façon, on ne pouvait plus l'utiliser, parce qu'il faut qu'on pouvait l'utiliser 8 semaines. C'est On ça, l'avait 12 envoyé en matchs, LFL. je crois. Ouais, ça devait être ça, ouais. Un truc dans le genre, mais on se souvient, on lui avait parlé un peu dans une interview de la LFL et il nous avait dit qu'il était au bout du rouleau, quoi, et qu'il Ah, était c'est content que ça complètement vous. s'arrête. Ouais, non, mais c'est sûr, il était au bout et moi, ça me désolait parce que j'avais pas d'autre choix que de l'envoyer un peu en première ligne comme ça et je voyais bien que c'était pas ce qu'il lui fallait de mieux et du coup, dès qu'on a pu le renvoyer, on l'a fait un peu en avance d'ailleurs et du coup, Selfie est venu qui nous a dépanné mais pareil, il n'y a pas eu l'occasion de créer une synergie. En fait, on était tout le temps en chantier total. Et puis quand en plus on est en 0-6, je sais plus quand est-ce qu'on a changé Jack pour, enfin qu'on a fait venir Steelback, mais c'est pareil. À un moment, même si on savait qu'en fait qu'on aurait pu être bien meilleur avec l'effectif complet et dès le début surtout qui nous aurait permis de nous entraîner. À un moment quand tu es en 0-6, faut faire du changement. On dit bon, de toute façon Militsa visiblement il vient pas, faut quand même qu'on teste quelque chose avec ce qu'on a quoi. Et du coup Jack est remplacé par Steelback. Et pareil, Steelback qui vient là-dedans, c'est pas évident pour lui parce que c'était déjà le cas. Enfin, après, il y avait quand même une bonne ambiance dans l'effectif. Hein. C'était pas non plus. En fait, j'ai eu des effectifs. Il y a toujours une bonne atmosphère de travail et pas mal de positivité au sein de l'effectif, ce qui était vraiment la bonne chose du Spring Split, contrairement à pas mal d'équipes que j'ai fait par le passé. Alors, bien sûr, PSG à l'époque, mais même des équipes, même chez Splice, parfois, il y a eu des moments plus dark, entre guillemets, chez Splice, alors qu'on avait des meilleurs résultats. Mais c'était vraiment pas évident non plus pour Steelback de s'imposer. Enfin, bref, c'était toujours. Un enchaînement, en fait, une sorte de chaos qui snowballait de plus en plus. Et même si on gardait le cap, il y a eu trop de retard accumulé, c'était beaucoup trop dur. Voilà. Et puis,
En fait, tout s'accumule, c'est pareil. Ne serait-ce que, du coup, quand tu es trop derrière depuis le début, c'est difficile de t'établir une champion pool, de trouver ton style un peu. Et quand les équipes, en fait, sont en train de raffiner certains trucs, même si tu fais des progrès, en fait, tu fais les progrès que les équipes ont fait il y a 5 semaines, quoi. Et à la limite, quand tu es une équipe du niveau de Fnatic avec que des vétérans qui, en fait, à tout moment, en fait, quand ils jouent pas bien, Fnatic, on sait que d'une semaine sur l'autre, ils peuvent se mettre à très bien jouer parce qu'en fait, ils ont déjà su très bien jouer tous ensemble. Et c'est juste qu'ils sont dans une mauvaise passe. Ou que la méta leur va pas ou quelque chose comme ça. Mais enfin, je me souviens au début de Spring de l'année dernière quand t'avais, mais non, même ce Spring de l'année dernière, pardon, quand t'avais Fnatic qui fait finale des championnats du monde et qui sont en 0-4, que tout le monde s'affolait. J'ai envie de dire les gars, c'est bon, ils étaient en Personne finale des s'inquiète, championnats oui. du monde, ils ont pas oublié de comment jouer à LoL. Mais nous, on avait vraiment beaucoup trop de retard. On pouvait pas se permettre ce retard. Donc, du coup, c'était un peu la catastrophe. Et puis il y avait d'autres problèmes infrastructure logistique en plus, mais tout ça a priori sera réglé pour le cela. Est-ce que aussi c'était pas un coup dur parce que du coup c'est une équipe avec beaucoup de rookies, beaucoup de nouveaux talents. Il y a la communauté française qui est très engagée. Forcément niveau confiance en soi, tu fais un start comme ça. Est-ce que c'est pas un peu dur de reconstruire derrière? Et ça va être ça peut-être le défi. Je me pose la question pour le summer. C'est effectivement après ce split là, est-ce qu'on arrive à reset un petit peu? On se dit bon, c'est bon, on a eu les 2 mois, les 3 mois de pause qui sont passés, on reset, la saison d'avant, on l'oublie et maintenant on se concentre. Est-ce que c'est un changement de mood qui a été effectué ou qui est facile? Ça s'est fait comment? Mais ouais, alors, enfin, je réponds un peu en 2 points à ta question, parce que la première partie de ta question, est-ce que ça va être difficile? Oui, c'est sûr, parce qu'on a beaucoup de retard, il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, le développement des rookies, la création d'une synergie, on a 6 mois de retard. Donc oui, c'est difficile. En termes de mindset, non, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de problème, parce que d'une part, en vrai, le mindset a toujours été positif, et on a toujours continué de tryhard et d'avoir un mindset bon en entraînement en spring. Même si ça n'a pas porté ses fruits, je pense que en fait la clé là-dedans, c'est d'avoir un cap qu'on garde et de toujours dire quels sont les objectifs court terme, moyen terme, long terme aux joueurs, à l'équipe, pour que on sache toujours ce qu'on est en train de faire et que malgré en fait le chaos, la tumulte qu'il y a autour, on puisse toujours rester les yeux fixés sur l'objectif. Là, effectivement, en plus, on a remis un peu de vitalité dans le roster, sans jeu de mots. Et on a un nouveau cap, on a un nouveau cadre. Donc je pense que non, il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'énergie dans le roster à l'heure actuelle. La question, c'est ce que ça va durer, mais ça a duré pendant le sprint dans des situations catastrophiques. Je pense que ça durera pendant le summer. J'espère avec des meilleurs résultats. Il y a Romain dans le chat qui avait une question. Comment tu compares ton expérience avec celle de chez Splice l'année dernière? Est-ce que déjà c'est pas un peu trop? Je te laisse répondre. Ouais, il y a plein de moyens de. Enfin, la question, je pourrais y répondre de plein de manières différentes. C'est-à-dire, comment je compare mon expérience personnelle en termes de vécu, de résultats? C'est sûr, c'est beaucoup plus difficile, hein. Cette année, c'est une année catastrophique en termes de résultats. Donc, c'est pas la belle histoire de l'année dernière pour l'instant, parce qu'en vrai, tout est possible encore ce split. C'est pas non plus le même optique de travail. C'est que je suis vraiment parti sur un projet de rebuilding avec des rookies cette année, ce qui n'était pas vraiment le cas de l'année dernière. Je pense en termes de rythme de travail, c'est un peu similaire dans le sens où j'ai créé un staff qui est un peu à l'image de celui que j'avais chez Splice de l'année dernière. J'essaie d'ailleurs de reproduire beaucoup de choses qu'on a mis en place sur les 2 dernières années chez Splice, qui restent du coup chez MAD à l'heure actuelle, mais ça prend plus de temps, du coup, ben, forcément, parce que du coup, faut repartir un peu de zéro. Ouais, c'est juste pas la même année en termes de résultats et du coup de vécu, de pas pour l'instant pas de game de playoff, ce genre de choses. Mais mon taf change pas. Et moi, avec les années, disons que je me focus beaucoup plus sur mon taf que sur ce qu'il y a autour, donc, en termes aussi bien de public que de résultats. Donc pour moi, ça change pas fondamentalement mon année. Alors il y a une question Et d'Ishente d'ailleurs qui demandait Crépo, par rapport voilà à Crépo effectivement Crépo qui n'est plus chez Vitality et est-ce qu'il y a des précisions que tu pourrais amener de ce côté-là? Non, c'est un petit peu difficile pour moi de parler des sujets de management. C'est pas des sujets qui me touchent directement. Effectivement, Crépo, qui avait été avec nous pendant le Spring Split, il y a certaines choses du management qui sont pas bien passées. Je pense que je dirais pas trop dire comment la séparation s'est faite. C'est pas à mon niveau que ça s'est géré. Toujours est-il que c'est Gabor
qui remplace en termes de, alors je sais plus son nouveau, le nouveau titre en l'occurrence, plus Chief Gaming Officer, enfin, en gros General Manager. On va dire pas dire General Manager, mais bon, j'ai pas le nom qu'ils ont, c'est un truc dans le genre, quoi. Ok. Et du coup, alors je regarde si on a encore une petite. Je regarde si on a un peu Alors, quelques question à l'ordre de questions Shanky, encore, je donc on va pense pas que bientôt ça change libérer Léo. beaucoup, a Si, priori. justement, le rôle Ah, de tu peux nous en Shanky, parler, hein. ouais, Shanky qui justement vient un peu ajouter un peu. En fait, Shanky passe donc Head of Player Development et du coup, il va être entre l'Académie et la Main Team. Alors qu'avant, il était manager à l'Académie. Là, il va être plus dans le côté performance, mais il va s'occuper de tout ce qui va être mental. Il a une très bonne relation avec les joueurs. Il a quand même pas mal d'XP. Et moi, j'ai beaucoup bossé avec Shanky. On a beaucoup bossé ensemble pendant l'off-season. Très motivé aussi. Et justement, je pense qu'il vient apporter peut-être quelque chose des compétences que je pense Mephisto et moi, on n'a pas directement. Et notamment aussi une personnalité qui est très différente de la nôtre, où il va être justement beaucoup plus dans le rapport direct avec les joueurs. Et puis, comme il n'est pas directement coach, il peut aussi se permettre d'être un peu leur oreille dans certains moments. Donc voilà, je pense qu'il va apporter beaucoup, Shanky. Et puis en plus de ça, on a aussi pas mal d'ateliers dans lesquels on travaille tout ce qui est aspect sport psychologiste avec des mecs qui sont spécialisés là-dedans dans le poker et dans le sport pour nous aussi un peu améliorer nos compétences sur le sujet. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup là dans ce que tu viens de dire, c'est t'as dit que comme Shanky, comme il n'était pas spécialement coach, il pouvait peut-être plus être leur oreille et discuter avec eux. Et du coup, pour moi, ça pose la question de comment tu considères, comment toi tu vois genre dans ta conception du rôle de coach, le rapport que tu peux avoir avec les joueurs. Est-ce que tu estimes qu'il faut maintenir une certaine distance, une certaine froideur peut-être même, ou au contraire justement le fait qu'ils puissent sourire à toi. Ça peut être bien, sachant que quand tu es proche avec tes joueurs, ça peut être à double tranchant. Donc ça fait partie des risques. Du coup, je suis curieux de savoir comment tu te positionnes par rapport à ça, Duke. Déjà, je pense que une certaine distance n'implique pas forcément de la froideur. Je pense que c'est bien, surtout maintenant que je suis en tant qu'head coach et que, enfin, donc il y a 2 ans quand j'étais chez Splash, j'étais très proche des joueurs parce que j'étais assistant coach et je me permettais de, je pouvais dire, juste venir pendant les reviews, c'est pas moi qui lisais les reviews. Mais depuis 2 ans en tant qu'head coach, c'est toujours différent quand tu gères toutes les reviews, quand c'est toi qui fais le planning, quand c'est toi l'autorité dans le staff. Je pense que c'est bien de mettre un petit peu de distance, mais sans pour autant mettre de la froideur. Je peux toujours être, j'ai une très bonne relation avec tous les joueurs dans la gaming house. Je leur parle tout à fait régulièrement en one-to-one. Mais effectivement, je pense qu'être en fait, le pote un peu, c'est plus le rôle d'assistant coach ou de mec comme Shanky en l'occurrence. Parce qu'il y a des moments, il y a aussi, disons que parfois il y a des décisions difficiles qu'on doit prendre, qui sont ma responsabilité, que je dois prendre. Il y a aussi des moments où il faut faire preuve d'autorité. Et effectivement, avoir un petit peu de distance, parfois, ça permet de le faire plus facilement pour les 2 parties, quoi. Et ça fait partie du boulot de head coach, de savoir prendre sa position, enfin prendre ce genre de responsabilité et ce type de position à certains moments. Super intéressant, merci. Merci pour ta vision. Cool. Bien Alors, on va voir écouté. si on prend encore ce qu'il est. Il nous reste 3 minutes, 3 petites minutes, donc peut-être la toute dernière question. Alors, on a Les déjà pris paires deux pour le canneurs, prochain est-ce qu'il y en a split. une autre? Ah, voilà. Comment vois-tu le split prochain au niveau de la performance? Penses-tu que cela prendra du temps pour avoir, enfin pour sortir des matchs solides et pour avoir de bons résultats? En vrai, c'est toujours impossible à dire. Là, on a commencé l'escrime. On a fait 10 games pour l'instant. Hein, donc, il n'y a rien de. Je peux rien dire, je peux pas vraiment tirer grand-chose, mais je commence à voir des choses intéressantes. Je pense que tout est possible. C'est-à-dire que je le vois avec. Mais comme je pensais que tout était possible au split précédent, aussi, bon, avant les problèmes de visa. Mais je pense que tout est possible. Si l'équipe clique, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et un potentiel que les gens ne voient pas forcément. Parce que je pense déjà que j'ai beaucoup de joueurs qui sont sous-estimés, que ce soit des Miltza, Comp, Labrof, des joueurs que vraiment personne connaît. NG, vous l'avez peut-être, et Cabo, vous les connaissez peut-être, mais ces joueurs-là, alors Comp, vous connaissez peut-être aussi de l'année dernière. Mais bref, c'est des joueurs-là, je pense qu'ils en ont sous le pied. Et s'ils sont, disons que ils tirent très bien, faut juste qu'ils tirent dans la bonne direction, quoi. Mais si on arrive à tous tirer dans la bonne direction,
Je pense qu'on a beaucoup de puissance de feu dans cette équipe. Donc je pense qu'il y a pas mal de potentiel. Honnêtement, nous, même si on part, petit pousset et que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont pas confiants, nous, on vise haut, on vise les playoffs et à partir de là, quand il y a 4 équipes sur 6 qui partent au Worlds dans les playoffs, tout peut arriver. Il suffit de gagner un BO5, à peu de choses près, un ou deux BO5. Donc nous, on se met pas la pression là-dessus. On sait qu'on a, on veut pas faire pire entre guillemets, mais on est très ambitieux sur le Spring Split. Et en tout cas, je sais que là, dans la Gaming House, tout le monde est à fond et les mecs ont faim, quoi. Donc on va viser. Tout était prévu, de toute façon. Le quatrième slot libéré pour Vitality. On va int le Spring Split pour ensuite créer l'histoire. Écoute, l'équipe française qui est en situation de underdogs absolu, ça marche bien pour les équipes françaises en général. Et du coup, il est 20h59, ça va signer la fin de cette interview, de cette 100% comestible. Nous, on a hâte de vous revoir jouer quand ça va revenir en juin. Merci beaucoup, Duke, d'être venu répondre un peu aux questions. Pour ceux qui veulent, il y a aussi t'as un Asmin et Sing qui se balade sur Reddit où tu réponds à pas mal de choses. Pour ceux qui voulaient un peu compléter. Ouais, voilà, qui a déjà été mis. Duke, merci beaucoup encore. On va te dire au revoir, on va te libérer de tes obligations et tu vas pouvoir retourner aller faire un petit Northgard. Rendez-vous sur Northgard. Merci à tous. Ciao. Ciao. À toutes. Ciao. Ouais, du coup, voilà, pour nous aussi, c'est terminé. On disait au revoir à Duke avant par politesse. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur cette 100% comestible. C'est pas dit que la semaine prochaine, on en refasse une parce qu'il y a tout le streamathon qui arrive, etc. Il y a les underdogs, il y a la grosse ligue, donc, et la chaîne Retro Gaming est un peu en pause. Donc, pas sûr, on vous tient au courant. On vous rappelle un petit peu le planning. Il y a les underdogs les mardis, mercredis. Il y a la grosse ligue généralement le lundi, jeudi. Il va y avoir la compète de milieu de saison entre l'LCK et la LPL la semaine prochaine. Il va y avoir le EU Face-Off qui est l'Euro Cup avec les broadcasts. Donc voilà, c'est un joli programme. Ça, ce sera sur au Gaming LOL. Glopo Chips, merci à vous de m'avoir accompagné. Merci surtout Glopo. Je sais que Chips est là parce qu'il est il est obligé, bien sûr. Mais voilà, merci Glopo de répondre présent. Et je vous laisse, messieurs, faire l'outro. Fuck carnage.